It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Voilà. C'est parti. Bah, en vrai, si là on a le temps, on le fait, hein, mais. Ah là là. Bon, c'est parti, les refs. Lève tes mains, toi, Magé, je vérifie un truc aussi, toi. Ouais, les mains, tranquille. Allez, bâtard. Vas-y, toi, tu viens d'arriver, lève tes mains, toi, deux secondes. Ouais. Arrivé tôt, Mitch, hein. Putain. Ouais, je suis arrivé tôt. Oh, il cherche du champ. C'est bon, la meuf, j'avais la main répondue. Et toi, pose tes liasses, t'as trop t'as ouais, mais j'ai oublié de la poser hier. Mais c'était la soirée, je me suis fait de l'oseille. Eh, Simon, va poser avant, je te coupe en deux, aussi. Vas-y, dépêche-toi. C'est qui gère l'illégal HRP sur les serveurs avec tous les départs? Bah, personne, hein. En vrai, là, en staff, y a... Si je te tiens un truc, tu balances pas? Vas-y, dis-moi. Eh, j'ai mis de l'argent dans la boîte aux lettres à Fichy pour son implant capillaire. Non, Spooky. Non, par pitié, s'il te plaît. Je vais gagner des places dans le gang, je suis une lobe. C'est pour son bien. Mais t'es déjà bien dans le gang. C'est vrai, c'est vrai. Non, vas-y, au-dessus, t'as Fichy. J'espère si tu fais un son avec Corben, etc., tu fais un clip à la YBN Blizzy Floca. Ouais, mais après, les clips à la YBN, frérot. J'ai peur, il y a quelqu'un, il rentre dans la bottle et il prend toute l'argent. J'ai mis beaucoup quand même. T'as mis combien? J'ai mis que 5000 en vrai. Ça va. Vas-y, moi je vais aller regarder si j'ai du courrier. Ouais, du coup, je disais Kaizok, parce qu'il m'a parlé en RP. L'illégal là, c'est géré par Dorel, French. Et voilà. Un anonyme a déposé du courrier dans la boîte aux lettres de 50. Un anonyme a déposé du courrier dans la boîte aux lettres de Mitch. Un anonyme a déposé du courrier dans la boîte aux lettres de Rich. Hey Kaizok, je te jure, pose-toi une soirée sur le live, tu vas voir comment il est bien notre groupe. Enfin, tu vas capter. Si tu veux le changer, c'est maintenant, dans 5 minutes on a une livraison. Ah bah vas-y, je vais aller me changer, ouais. En gros, on a créé des nouveaux petits systèmes illégaux, nous, en interne et tout, c'est grave stylé. Alors, j'ai du courrier. Déjà hier, j'avais du courrier, je l'ai pas ouvert, attendez, regardez. 50 Boys Young Talent. Oh putain, je vais l'enculer. Alors attends, ça déjà c'était quoi? Ouais, ça déjà je l'ai fait. Ça je l'ai vu. Attends, on va regarder pour mon Mitch. Franchement, t'es trop mignon. Appelle-moi dès que t'es là. Charlie. Le mec qui fait un clip à côté de la maison, il a fumé un mec avec sa casquette. Le petit là? Et ouais, qui a pris 20 ou 30 comment ans ça là, ouais, ça. Attention à qui tu parles mal, si tu continues on va te tomber dessus, ouais, on n'est pas des rigolos, alors fais attention à toi, menace plus jamais. Sinon je te démarre avec mes gars, la nouvelle génération est en marche, attention à ta place, je vais venir te la voler. ZNH 50 Boys Young Talent. Ah putain. Attends, il a fait la même chose à Rich. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, il a envoyé un message de... Il a envoyé une menace à Rich? Alors eux, ils sont dans la merde, hein. Oh la la dinguerie. Oh la la, le fou. C'est une dinguerie, ça. Vous là. C'est un truc de ouf. C'est qui 50 Boys Young Talent, là? C'est qui ZNH, là? C'est qui là? Tu t'appelles comme ça, là? C'est quoi? Toi, je t'appelle quoi? Comme ça, je te casse la bouche. Je rigole, ma vie. C'est qui ZNH? C'est qui met des menaces dans ma boîte aux lettres? Je vous baise ou quoi? Des menaces? Quoi? C'est ça, des menaces? Va voir ma boîte, va voir. Jure? Curtis, il est grave mort de rire. J'ai menacé que deux personnes, je sais très bien qui vous êtes. Ça le menace ouvertement, genre? Mais non. Bizarre, ça. Tu rigoles, Curtis, je te baisse ta mère. Pardon, Mitch. Il est grand mort de rire. Eh viens, Majestic. Reposez après là dans ma boîte aux lettres tout ce qu'il y a. Viens voir, Majestic. Merci Skylight, merci mon gars. Ah, pourquoi y'a plus Save Day? C'est pour ça là. Ah non, pas la voiture. Attends, j'arrive, je vais juste. Oh, il est ta mère. Attendez, est-ce qu'ils ont posé des trucs pour les habitants? Là, je sais que hier il y avait une mission pour les habitants, c'était de trouver une montre dans le Bronx. Là, j'ai envie de mettre une grosse intrigue pour les habitants. Là, je vais. Ouais, c'est bon, là, ils ont pris tous les tafs. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de mecs pour du taf? Les Fitchy Boys ont des armes. Oui, on a des armes. Ok, ça. Ok.
Je vais peut-être poser des trucs tout à l'heure, je vais voir. Personne n'a rien fait, personne n'a rien vu, comment on a fait. Mais regarde, on du a coup, vendu. J'en fume un au pif et on est d'accord, on est bon, c'est ça. Écoute, 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 écoute. Eh, depuis tout à l'heure, on a fait quoi? On a vendu, on a mis de la musique et tout. On a rien fait, on n'a pas rentré rien. J'en ai rien à foutre de ça, ok? Il y a un fils de pute qui a mis ce message dans ma boîte aux lettres. Et ce qui dit que c'est quand je vais le trouver, je vais le fumer, c'est compris ou pas? Ouais, mais c'est et personne. Dans une là, semaine, si j'ai pas trouvé ce fils de pute, j'en canne un au hasard. C'est bon? Ouais, et moi, pour le coup, j'en canne aussi un au hasard. On est d'accord ou pas? Ouais, je disais, Zao, quoi, il y a des habitants, il y en a, ouais. Après, les habitants, là, ils sont pas encore tous arrivés, mais là, dites-vous, sur notre Discord, il y en a 20-25. Hein. Et je reçois grave des MP, parce que t'as vu, les gens, ils regardent les streams. Les gens de Flashback qui ont pas de projet, ils regardent les streams un peu pour voir où c'est bien et tout. Je vous jure, depuis 3 jours, je reçois que des MP. Salut, je peux venir habitant, grave lourd et tout ce que vous faites. Je suis trop heureux. Ça veut dire, là, les mecs, si on a grave des habitants et tout, moi, plus on aura des habitants, plus ça me donnera envie de donner du jeu. Parce qu'en fait, dites-vous, les habitants, c'est un truc, c'est sous-côté, frère. Le RP habitant, je vous jure, depuis que j'ai joué Skittles, je me suis rendu compte de ce que c'est que le RP habitant. C'est le RP habitant, c'est certainement le meilleur RP que tu puisses faire. C'est certainement le meilleur RP que tu puisses faire. Il faut juste avoir des bons joueurs derrière, il faut avoir un bon gang. Taf important. Ok. Hop. Yo les man. Ce soir, j'ai besoin de deux gars qui vont aller taxer une entreprise du Bronx. Appeler Mitch. C'est grave stylé, à chaque fois j'écris appeler Mitch, on dirait grave un PNJ genre. Mais non, mais dites-vous que tout ça c'est stylé, le jour où on va se prendre une descente, si les flics ils fouillent ça et tout, ils vont tomber sur moi, ça va être grave, enfin c'est trop stylé, wesh. Les habitants maintenant c'est que vendre et tout, c'est bien que t'as rénové. Frère, je vous jure, les habitants c'était que des mecs qui attendaient, c'était des mecs qui étaient au courant, je vous jure. Tous les habitants de ces dernières années sur les serveurs, c'est tout le temps soit des mecs qui doivent prendre un slot HRP, genre ils ont dit ouais... t'inquiète, on attend qu'il y ait un mec qui wipe et tu rentres. Donc les mecs qui jouent habitant vite fait. Soit c'est des mecs qui font que vendre et qui font que vouloir rentrer dans le gang et ils rentrent jamais. Soit ça existe pas. Soit y'a pas d'habitants. Alors que tes matchs, il est ouvert, y'avait grave des habitants. Ils étaient là juste pour le fun, juste pour rigoler et tout. Gras du bide par exemple. Ouais, mais c'est trop. Mais quelqu'un a super ça serait bien de mettre un truc qui vend comme chez vous, comme les BX. Ouais, ouais, justement, là, on va en parler aux AOD ce soir. Mais tu rigoles, je vais tirer sur quelqu'un juste pour rigoler aussi. Ouais, j'en ai combien là? Non, sérieusement, qui a fait ça là? Mais je peux te parler, man, j'ai vu. Personne. Eh, je reviens vite, je cherche un truc à bouffer, j'ai trop. Attends, j'ai deux bails à dire. Non, mais je vais manger un vrai bail, j'attends qu'il y en ait deux spies. Premièrement, le bail avec les embrouilles là. C'était avec le mec des trainees, ça. Eh, ça part en couille, hein. Ouais, mais c'est quoi cet embrouille là? On m'a dit que c'est parti loin. Eh, c'est parti plus que loin. Je me suis fait quebrar par des mecs agoulés. Les gars avec des AK, tout ça, ils m'ont tiré dessus, mais t'as vu, God bless. Et ça part d'une machette. Soit la journée, nous avons chercher des straps, ouais. des bails qui coupent. Ouais. Bon, on a raqueté les 10 dans son set en faisant croire qu'on voulait lui acheter. Ok. Depuis ce temps là, ça me tombe dessus, mais t'as vu, ils m'ont pas chopé. À part la fois où il a envoyé d'autres gars de je sais pas trop pour essayer de me péter. Ok, mais du coup, tu penses qu'en mode, comment dire, tu penses qu'en mode, il y a des mecs qui ont été payés ou tu penses que c'est les trainees là qui sont venus avec des grosses armes? Non, c'est pas les trainees, parce qu'il me l'a dit, c'est pas les trainees. Et quand j'ai parlé au gars, parce qu'il m'a laissé avec les gars en question, et ils ont dit qu'ils viennent l'aider parce que t'as vu, tout simplement. Donc c'est même pas les gars de son set, même pas les gars de son set qui pull-up sur moi pour une histoire de couteau. Ah ouais, c'est des salopes, hein. Après, on allait régler cette histoire avec les Trini, mais tu vois, en fait, le problème, c'est qu'on allait régler l'histoire sans savoir ce qui s'était passé. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, là, actuellement, les Trini nous ont pris pour des putes, donc il va falloir leur faire un boulot. Ah ouais, dis ouais, faut bien, ils nous ont pris pour des salopes, là. Ouais, bah, en vrai, ils sont venus nous parler en mode, ouais, y'a rien, l'histoire avec Bendo, Randy et tout, y'a rien. Sauf qu'en fait ils ont ramené des gars armés de je ne sais quel de je ne sais bah où. Ouais. Toi tu t'es fait pull up tu vois. Bah ouais, moi, j'aurais pu canner. Et ouais c'est la merde. Bah là justement pas ça escalade vite hein, parce que le mec il manque de respect au quartier. Dernière fois de mon Arich, il commence à dire yo, je vais venir revendre dans ton set, je vais venir revendre chez Watt. Il pull up solo en m'en donnant des petites frappes.
On l'a tabassé, il a manqué de respect au quartier. Écoute là, dans tous les cas, t'as vu maintenant on est strappé. Là les choses elles vont différentes, là on commence à avoir des contacts. Donc t'inquiète pas, moi cette histoire je la garde dans un coin de ma tête. Je vais en toucher deux mots au 50. Parce que t'as vu, nous on est allé voir les Trini, ils nous ont pris pour des putes en fait. Ils nous ont parlé en mode ouais y'a rien, y'a rien. On gère pas les histoires de petits, mais en fait là c'est pas une histoire de petits. Donc je vais en toucher deux mots au 50 et je te dirai là. Pourquoi y'a quoi encore? Bah le mec là, tu te souviens le mec qu'on a tapé là sur le coin de la rue là. Ouais mais ce gars là il lâche pas l'affaire et il envoie des G's. Des mecs avec des AK tout ça bien calibré tu vois. Pour essayer de me pull up pour une machette. Ils sont renvoyés encore une fois. Non pas encore une fois mais hier je me suis pété avec lui. Je lui ai mis un coup de couteau, il m'a mis des coups de bas dans la jambe. Eh c'est parti en couille man. J'ai avancé mais... Genre ça arrête pas ce bail. J'ai pas d'idée frère, j'ai pas d'inspiration. Hey. Et bref, c'est à peu près ça, Mitch. Et deuxième bail. Tu vois pour le 24-7 ou la Spirit. Ouais. J'ai glissé des mots à des petits du quartier qui seraient intéressés à travailler. Ouais, donc, au moment où... appelé, là. C'est voilà. Qui c'est Adonis et tout. Adonis et je crois Lil G et tout ça. Ok, ouais, ça en bas. Il faut que je mette ça en place là, je vais voir. Et attends. Oh attends, j'ai les gars. Deux secondes là avant de vous éparpiller, écoutez-moi. Mais non, mais on est en bas du bloc, on est à côté. Juste, vous êtes au courant là, il y a le hoodboard en bas là, à côté de la MJC. Dès que vous avez un travail que vous voulez pas faire, un truc. Tu vois là par exemple, on doit aller taxer une entreprise du Bronx. Bah par exemple, là, la flemme d'aller faire ça, tu vois. Et ben vous mettez un post-it dedans, vous mettez taf pour habitant, vous mettez votre numéro et les habitants qui vont, ils prennent le numéro, ils vous appellent et ils font le truc, ok. Et on les paye en conséquence. Mais donnez-leur des trucs à faire, s'il vous plaît. Ok, ça roule. Vas-y, allez faire votre vie là, allez faire ce que le 50 vous a demandé. Yeah, man. On est juste en bas du bloc. Hein. Vas-y. On parle là, on fait quoi avec l'autre trou du cul d'SMM là? Par rapport à. Il est où Magie encore? C'est ton. Ça, c'est la lettre qui t'ont filé là. Ouais, les petits. Hein. Vas-y, je la fous à la poubelle. C'est. C'est quoi ce délire, mais ces petits vont vouloir les recadrer. Eh, il va falloir les recadrer, hein. Je sais pas, ils pensent y parler à qui, mais moi, ils m'ont mis la même lettre là, je vais les baiser. On va trouver qui a fait ça. On va trouver qui. Ah, mais tu sais quoi, je vais mettre ça dans le hoodboard. Je vais aller mettre ça dans le hoodboard là, que les habitants ils essayent de trouver c'est qui le Young Talent. Ça te faisait bien rigoler quand c'était mon shampoing, hein. T'en fous, arrive. Ouais, c'est fils de pute. Ouais, mais là, il t'a vu, toi, oui, il. Non, c'est pas la même chose. Il vanne, il rigole, tu vois, c'est gentil. Et là, il parle mal, tu vois, moi, je suis pas une salope. Les SMM, on fait quoi? On prend des pilules là ou pas? On prend rien du tout, les SMM. Pour moi, on prend rien. Les pilules hier, ça veut dire quoi pour les pilules? Hector. L'aspirine. Hector, il m'a dit que justement, là, pour notre bail d'association, parce que je lui ai parlé de l'association de l'MJC, il m'a dit qu'il pourrait nous faire. Ce soir, il pouvait nous livrer des médicaments tombés du camion. Et il m'a dit ça. Mot pour mot. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on va voir ce que ça peut faire. Il faut qu'on achète des briques. Hein. Ouais, je vais l'appeler, hein, je vais voir. À partir du moment où on a l'aspirine, on achète des briques. Et voilà. Ouais, il nous faut de l'ammoniaque aussi. Et comment ça s'appelle? Là, on attend une commande de quoi? De planche. 500 de blanche, une fois qu'il me rappelle. 500 de blanche, propre, ok. Allo? Yo, mec. Ouais, yo, c'est qui? C'est Lil G. Putain, tu m'as toujours pas enregistré? Je t'ai toujours pas enregistré, man. On va se battre, hein. Ouais, on va se battre. Dis-moi, tu m'appelles pourquoi? Ah, je sais pas, j'ai vu, il y avait un post-it. T'as vu le post-it? Le truc de taxer des gens. C'est okay. Pour nous ou pas? Ouais, c'est toujours d'actu là, je viens de le mettre. En gros, je t'explique. Attends, mais tu sais quoi, j'arrive en bas du quartier, j'arrive. Dire, yo. Vas-y. T'as dit quoi? Vas-y, viens, je vais voir un habitant là avec moi. En passant hier, j'ai égaré mes keys, mes clés. La voiture et la caisse, elle est plus là aussi. Elle est pas où là? L'audio, personne l'a vu. Non, man, et personne l'a vu. Tu l'as mise où la clé? La clé, je l'ai garée, mais vraiment, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Yo. La caisse est pas là, donc. Ça va, quoi. Ouais, tranquille. Bon, écoute, tu feras ça avec Adonis ou un de tes collègues du quartier, hein, tu connais. Vous serez payés, vous deux. L'entreprise, elle se trouve. En vrai, faudrait que je te montre pour que tu saches exactement. Tu vois où il est le Conseil Moto? Enfin, anciennement, où était le Conseil Moto? Anciennement, ouais, je sais pas. Sous les arches. Là-bas, là. Ouais, et ben. Attends, il y a quelqu'un dans l'oracle. Ah, tu m'as appelé? Marlo, prête l'oracle en vif. Tu m'as dit quoi, Rax? Ouais, en gros, je t'explique, il y a une entreprise là dans le Bronx qui taffe bien. Et t'as vu, nous, on a besoin d'avoir la main dessus, on a besoin de faire des dollars avec ça. Donc, concrètement, nous, ce qu'on veut faire, c'est que. On n'a pas envie de tourner toute la soirée autour de ça.
Je vais vous laisser faire vous, si vous avez un autre affaire et tout, dès que vous passez, vous regardez, ou sinon vous mettez en planque autour, je sais pas quoi. Vous trouvez un mec qui taffe, et soit vous essayez d'avoir rendez-vous avec le patron, soit avec un haut placé de là-bas. L'entreprise, elle se trouve à droite, là, tu vois, derrière les grillages, ici, là. Ok. Tu vois, le panneau jaune, là, Eugenix, je crois que ça s'appelle comme ça. Eux, essayent de savoir ce qu'ils font, essayent d'avoir le patron, et tu leur dis, écoute, nous, maintenant, on habite dans le Bronx, on vous permet que votre entreprise, elle soit sécurisée grâce à nous, à côté, qu'il vous arrive rien. Mais en échange de ça, c'est genre 5000 balles par semaine, tu vois. Vas-y. Donc, essaye de négocier un tarif, mais aux alentours de 5000 balles par semaine. Ouais, bah je verrai, je poserai des questions, tu connais. Voilà, tu poses des questions, je vous laisse gérer. Et à l'issue de ça, essaye de ressortir avec de l'argent, par exemple, donc tu dis 5000 balles la semaine, là on est déjà mercredi, donc là tu payes pour cette semaine. Et maintenant okay, c'est tous les dimanches, et comme ça, ils sont déjà payés pour cette semaine, et sur les 5000, je te filerai un bail. Vas-y, j'ai capté. Et vous cherchez des armes, vous? Des armes à feu? Ouais. Ouais, bien sûr, toujours. Bah, après, moi j'ai un plafond, mais il pue sa mère, mais c'est un... Comment on appelle ça? Le SNS, là. C'est le petit pétoir. Ouais, ouais, bah ça peut toujours être intéressant, t'as chopé ça où? Je sais pas, je connais, en fait, c'est un de mes potes à moi, genre, et il avait ça. Et ouais. Ça lui sert à rien, il préfère la vendre, tu vois. La vendre quoi, à combien? Après, je peux faire l'intermédiaire. Bah justement, tu vois, pour l'instant, je sais pas c'est quoi le prix, parce que, vas-y, les armes, tu vois. Ok, bah, propose-lui... propose-lui 10, 15 000. Ok, vas-y, je vais essayer tu me dis ce qu'il en est, ok? Vas-y. Vas-y, tiens-moi au courant, Lilji. Attends, j'enregistre ton hume, comme ça c'est fait. Et tu me tiens au courant là, n'hésite pas à m'appeler. Vas-y, je te dirai bah, pour l'entreprise et après pour le SNS. Vas-y, ça marche. Tard, je sais plus ça peut comment. Vas-y, mais on se capte, on a plus tard. C'est la famille. En plus. Tu vois, tu peux en prendre un ou deux de pétards si jamais tu veux sortir, mais pas montrer qu'on est trop équipé. J'avoue, comme ça, mais ils sont surpris. Mais tu les sors pas dehors. Et comme tu ça, là, même moi je pense qu'il faut sortir avec rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que si à chaque fois qu'ils nous tapent, ils vont nous fouiller, ils vont voir qu'on a rien. Ils vont pas se douter qu'on a quelque chose. Ah, si, et le jour où on va arriver avec des automatiques ou je ne sais quoi, ils vont parler une autre langue. J'avoue, t'as raison. L'effet de surprise, il est bénef. Go profiter de ça, qu'on ait au moins cet avantage là, tu vois. Hola, hola, señor. Yo, yo, Philippe, allez-y, tranquille. Très bien, et toi? Ouais, tranquillement. Vas-y, comme d'hab, les gars, venez. Comme d'hab, mettez les voitures de l'autre côté. Deux gars qui restent dehors. Ouais, deux gars qui restent dehors. Ouais. Les deux étagères de fond, il y a 100 pochons ici et 400 de l'autre. Ok, de la parfait. Blanche. On va vider tout ça, tu connais, ça va aller. Il y a quelqu'un de responsable ici parmi vous? Ouais, bah c'est... T'as les quatre plus grosses têtes là devant toi. Ah bah parfait. J'ai cru comprendre que vous avez eu un entretien avec papa par téléphone par rapport au speed size. C'est pas moi qui ai eu ça, c'est toi, Rich. Au speed size, c'est ici, quoi ici. Ça? C'est un cabaret sur Manhattan. Non, du tout. Majestic, t'en as parlé, toi? Nous, si on vous en a parlé? Je sais pas, apparemment, il y a un mec qui l'a mis un... Attends, mais ça doit être 50, attends, je vais aller le chercher. Je sais même pas ce que c'est. Ah, moi non plus, je sais pas c'est quoi. Fifty. Yo, my 50. Ouais, dis-moi. Viens voir, là, il veut te parler. T'as eu un entretien avec Popa hier pour un truc au split side, je sais pas quoi. Hein? Moi? Non. Bah, il est bourré, va parler avec lui. Ah bah, je serai au courant si je parle avec des mecs qui... Ils font quoi dehors, là? Pourquoi ils viennent pas décharger? Oh, vous faites quoi, les gars? Il y a c'est Fifty qui m'a dit de laisser là. Ah ouais, bah, on nous a dit de rester dehors. Ouais, mais pas à 4 les gars. Guetter à 2. Là, y'a pas plus cramé. C'est où? Ici. J'ai parlé à personne de chez vous qui s'appelle Popa Cusado. Hein. Ni hier, ni jamais. Non, parce que le seigneur m'a dit qu'il a eu justement une téléphone avec vous par rapport à justement le cabaret qu'on va ouvrir ce soir. Justement dans non, il a dû confondre deux personnes ou alors il a appelé un mec de chez moi qui est très pas vif du tout. Ça serait pas toi Majestic par hasard? Non, moi la seule fois que je l'ai vu c'est pour faire la relation avec vous. J'ai dit rendez-vous dans 30 minutes. Ah ouais, rendez-vous, nice. Les gars, après on a rendez-vous avec les Rollins là. Bah voilà, on ira après alors. En terrain neutre, allez, donc préparez-vous là. Ok, gang. Par rapport au cabaret, c'est pour ça
que j'ai demandé. Ah, c'est cas chez nous, d'accord. Parce alors, que c'est... moi, ok. Il faut voir, c'est un petit, des petits. Fais le check-up avec les petits. Téléphonique, ça m'étonnerait. Hein. Je crois qu'on est les seuls à voir. Ouais, c'est bizarre. Parce que c'est pas le genre. Quand les derniers qui restent. J'ai parlé avec lui, c'était pour un petit rendez-vous qui a pas été fait, mais sans plus. C'est quoi ces entrepôts de fous là, y'a combien de fois 500 Ouais bien sûr. Juste un? Bah ça dépend, tu m'as dit, il y a besoin d'une personne, il m'a dit. Si c'est juste pour faire le piqué de le piqué devant. Piqué, oh je vais leur envoyer un piqué comme never. Ah mais ça ouais, c'est on lui fournit la tenue. Ah c'est Simon qui l'a eu, qui l'a vu. Ouais il me semble. Bah ramène-le moi ce trou là qui se fait. Non mais il est pas là en fait, pas... je l'ai envoyé au commissariat là chercher un truc. Ah bah c'est pour ça, le seul en fait qui a parlé avec il est pour là, c'est pour ça. Ouais, il y a tout le monde sauf lui, c'est... ça me fait. Ok ouais, bah, c'est à quelle heure? T'as pris c'est bon. Aux alentours de 23h. Le mieux c'est d'heure tu... fixe parce que si on a prévu après, tu sais ce que c'est le business. Hein. Ouais. Donc normalement entre 23h et 23h15. Ah, c'est. Bah ok, bah parfait. Écoute, ce qu'on fait c'est ça. C'est le mieux, c'est que tu nous appelles un gars de chez nous et on t'en enverra à la pause que tu veux. C'est bon? Ok, très bien. Après, on vous fournit tenue, matraque et compagnie. Ouais, ouais, après tu t'envoies, tu t'envoies. Vous aurez situé parce que c'est des. C'est des oh, équipements, oui, c'est compliqué ouais, à voir. Voilà. Ouais, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Bah, appelle Rich ou moi et c'est bon. Ouais, vas-y, les gars. Problème. On s'attend plus tard. Ah, mais attends, ouais. Tout est vide, on est d'accord. Ouais, tout bon, est vide. Ouais, on a pris, tout. Non. Ah, bah, les buckets sont tombés, les gars. Eh, hey, go dans les chocs, on bouge. Tu l'as envoyé faire quoi, Simon, au truc? Parce que c'est le seul qui a le permis, il est en train de récupérer le bonheur. Marlon, ça fait 4 mois, il passe le truc. Marlo, vas-y, mais Marlo, vas-y, Marlo. Ouais, non, je vois pas. Parce que pour pas que Zado, on a parlé juste une non, fois. Non, mais c'est moi, c'est Simon, on a dit. Non, oh, Simon. C'est Simon. Yo, mais c'est un grand chez eux pour pas que Zado, là, je sais pas quoi. Bah, je c'est pense. Un vieux, ouais. Associé, je sais pas, là, quand on l'a rencontré avec Rich, il nous a dit qu'il y avait un sniper sur un toit. Parce et s'il parle avec des dealers comme ça, on va pas mettre ça entre leurs mains, les gars. De quoi? Bah, genre ce genre de contact, t'as vu? Ah, mais de toute façon, moi je te dis, moi pour moi je suis pas en train de choisir avec qui je vais bosser, je bosse partout pour avoir de la thune. Hein, ouais, non, coup. Mais je sais, non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est genre ah, okay. Dans les 50, que ce soit ouais. Simon qui gère la liaison entre le chef des Cusado et nous, c'est la merde, tu vois. Après, pour un truc comme ça, Simon il aurait dû le dire. Oui, pour un truc comme ça, c'est de la merde, mais si c'est pour du vrai bis, tu vois, c'est pas eux qui mais font ça. Mais s'ils font ça, c'est que c'est des bouffons, quoi, c'est tout. Simon il aime bien ouvrir sa gueule un peu. Ouais, c'est vrai que Simon il ouvre beaucoup sa gueule aussi. Ah bon, l'info des comme ça, mais ils vivent pas longtemps, c'est tout. On s'est carré, j'espère juste qu'on récupère le brûleur là, parce que ça casse les couilles de pas l'avoir. Ah, ce serait bien qu'on le lève. Tu vois, pour les transats comme ça, ça fait plaisir. Puis comme ça évite de courir après les voitures, ouais. Putain, j'ai un Veltige là, putain de merde. Tu vas où là? Bah au quartier. Ah, tu vas se parler là? Je vais essayer de voir tout à l'heure là pour commencer à mettre en place un truc de véhicule de location et tout. Avec le mec qui vend des caisses d'occasion. Moi je vais faire un truc Paris sportif là au quartier. Je vous laisse faire ça mais avant, juste après que vous avez fini de vider là, faut qu'on parle. Ouais, après on va voir les Rollins là de toute façon. Attends, avant d'aller les voir, faut que je fasse un point. Vas-y. J'aime bien. Les gars, en fait, ce qui est bien avec ce groupe, c'est que c'est fluide, sa mère, tous les trucs qu'on fait. Tu vois, les trucs comme ça où moi je me prenais la tête avec les 306 et tout. Les gars, videz les caisses, les gars, faites-y. Là, oh là là, tout est automatique, ça va vite. Les gens, ils font le boulot direct. Tu vas ? T'as pas besoin de leur dire, t'as vu, regarde comment ils sont réactifs, ils savent quoi faire. Ça fait plaisir, ça. Putain de merde, le plan est gâté. Chop, Merlichon a pâté. Vas-y, videz tout après, venez ici, on fait un point avant d'aller faire un rendez-vous avec les autres bouffons là. Vous avez tout vidé, c'est bon? Ouais. Je vais vérifier là s'il y a le compte, j'arrive. Il y a le compte. Ah, il y a le compte, c'est bon. Pareil, vous écoulez bien, ça fait plaisir, donc continuez pas. Pareil, du coup, il y a tout le monde, c'est bon. Juste passer le message à Simon, parce qu'il est toujours en train de faire le truc avec le bowler là. Ouais. On va attendre qu'il arrive, on l'attend en même temps, donc je fais le point en même temps. Ouais, il me parle de meuf au téléphone, donc je sais pas si. Vas-y, t'inquiète, il est en train de le faire, je vais au téléphone. Bref, du coup, là, il y a rendez-vous avec les emmerdeurs là, les Rollins, les mecs qui tirent sur Rich là.
Moi, honnêtement, j'ai pas forcément envie de leur parler, mais bon. Même ce que j'aime bien, c'est que frère, on utilise toute la place du quartier. Regardez là, on se regroupe là, tout à l'heure on était là-bas. Quand vous me connaissez, j'ai la tête dure, j'ai pas forcément envie de voir leur sale gueule. Surtout qu'ils, bon, savent pas tenir leur petit en plus. En bref, on va quand même y aller. Et s'il vous plaît, on va faire un truc simple. Maintenant, là, on va commencer. Vous avez vu avec ce qui s'est passé hier, on n'est pas trop mal, mine de rien. Vous vendez, le quartier vit, tout se passe très bien. Maintenant, pour que ça tienne sur la long terme et pour qu'on soit entre guillemets vivant dans encore 2-3 mois, il faut qu'on ait le même son de cloche si on se fait péter. Parce que ça va arriver. Pas forcément Mitch, pas forcément moi, pas forcément les gradés, parce qu'on fait attention et qu'on est plus souvent sécurisé. Mais vous, en tant que petit, à chaque point de rue, vous pouvez vous retrouver contre un mur. Et il faut que vous sachiez quoi dire. Parce que si vous dites un truc différent, après, nous, on peut plus sortir des conneries après. Donc actuellement, à part avec les AOD qui sont évidemment au courant, hein, soyez pas cons, s'il vous plaît, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes, c'est simple. On n'a pas d'armes. On a à la rigueur une vieille pétoire et 3 balles qui se battent en duel. C'est tout. On n'a pas d'armes. Si on vous demande pourquoi vous avez dry, Ça va. La vie de ma mère, c'est pas moi. J'ai rien fait. Je vous jure, c'est pas moi. Quand je vois mes vêtements, t'es sérieux, l'enfoiré? Yo, moi, c'est transformiste, yo. Et vous savez quoi? Y'a rien qui m'arrête quand je parle, on va les couilles. Big Box et Rose. Putain, c'est la merde, hein. Par 50, t'es à l'aise ici au quartier. Back 50, regarde, ça te filme. Bref, du coup, t'inquiète pas, moi j'ai un téléphone, tu verras si c'est publié sur internet ce qui va t'arriver. Bref, du coup. Rangez vos tels là, respect quand même. Ouais, fais attention. Déjà, celui qui a fait ça, je sais pas c'est qui me l'a volé, mais je te baise. maintenant que je te baise, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, là, c'est simple. Ce qui va se passer, c'est qu'on a pas de pétard. Si on vous demande comment on a fait pour les dry et les rollins, c'est pas compliqué. On nous avait prêté des pétards pour une mission. On a pas de pétard. On est sur la coke et le crack. Et actuellement, on est en train de se mettre en place parce que dans le Bronx, c'est la galère. Voilà. Vous restez sur ce mensonge là, il vous arrive à rien. Parce que de toute façon, un mec peut pas vérifier une info tant que tout le monde dit la même chose. Donc soyez pas cons, par pitié, vous êtes sur le crack. Et pareil, faites les bouffons. Voilà. Donc là, on va aller au rendez-vous, on va y aller avec. Et ça, toi, petit, quand je parle tôt. Plus que grand, pas du tout, on a entendu. Hein. Ça pue, tu voulais faire un peu de slanchette, t'as un flop, hein, je te dis. Ah ouais, ton gros fiac. Putain. Ouais, Bendo, calme-toi sur le caca, s'il te plaît. T'as eu. Calme-toi, Big. Allez, bah. Celui qui m'a volé mes vêtements, il est bien mignon, mais en attendant, ça casse les couilles. Parce qu'il faut que j'aille à la boutique, bordel de merde. Ah ouais, casse les couilles, putain. Je te passe une tenue, quoi. Hein? Ouais, je donne n'importe quoi. C'est bon, il a des lunettes. Ouais, il a des lunettes. Et du coup, je répète pour Simon, donc là, actuellement, pour avoir la même histoire là, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit, on a rien, on n'a pas d'armes, on a que dalle. Non mais il aurait pas mieux donné cette idée là, je vais abuser de ça. Oui, là, actuellement, là, le désavantage qu'on a, c'est qu'on nous voit comme des salopes parce qu'on n'a rien. Et je parle là, soyez sérieux, je vais vous monter en l'air. Affiche-toi, attends, je t'ai donné des vêtements. Je m'en bats les couilles, je reste à poil, restez sérieux quand même, vous avez pas de concentration ou quoi? Je m'en bats les couilles, vous avez pas vu un mec à poil de toute votre vie ou quoi? C'est comment? À force de courir après les meufs. Attendez deux secondes, je vais régler un truc. Et toi, fais gaffe à toi, je vais machette par machette, tout nu, pas tout nu, je vais te tâcher. Tranquille, tranquille, non, mais je t'ai vu voler. Je t'ai vu voler mes chaussures, enfoiré, moi. Je t'ai vu. C'est toi, t'as volé mes chaussures. Tout nu à la machette. J'ai un volé, moi. Donne-moi ton t-shirt. C'est vrai ça, donne-moi tes vêtements, ton petit enfoiré, va. Moi? Eh, donne-moi tes vêtements, va tout nu avec moi. Je crois que je suis seul à m'humilier là, donne-moi ça. Donne tes vêtements, donne. Dépêche-toi de donner tes vêtements. C'est 50 les pirates au Mali, t'es que j'ai rien fait. Pas grave, faut bien un coupable. Tiens, au moins t'auras un peu de flow pour une fois. Eh, lui, Tyrol, il est où, Tyrol? C'est réel. Tiens, lui, Tyrol, là. Il avait un truc à faire. Ah bon, Tyrol n'est pas là. Ah bon, c'est ça. Bon, après, ça arrive, vous en entendez tout le monde. Ah bon, il est mort. Oh là, c'est bon. Bref, gang. En fait, je suis comme Mitch, man. 50 drip, gang. Yeah, boy. 50 drip, man. Oh le. Le crâne. Bref. Pointu. C'est bon, yo. C'est bon, En vrai, le problème qui va y avoir. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, vous foutez de ma gueule. Mais le jour où vous allez vous faire péter, il faudra pas parler notre langue aussi. Ah bah voilà. Là t'es lourd. Il est frais, il est frais. Je vous le dis, hein, parce que là vous faites les gogoles quand on rigole, vas-y on m'enlève mes vêtements, je sais pas quoi, j'ai une machette, machin chose. Et faites-vous péter une fois comme ça, faites une dinguerie, je vous canne. Comme ça vous avez de rigoler, continuez à rigoler. Là je me fais des grosses blagues pendant que vous vous tapez des barres, hein, bande de petits fils de pute. Qu'est-ce que moi je parle à vous tous là, vos darons, je les ai toutes baisées, qui va faire quoi? Pas la nôtre. Hein. Franchement, ouais. Hein. Pas la mienne, elle est à Chicago. Ouais, c'est ça, ouais. Mais toi, c'est ce qu'elle te dit, mais t'inquiète. La mienne, ça m'étonne pas. Hein? Ouais, de toute façon, pour j'en suis, je crois que ça m'étonne pas non plus. Hein. C'est vrai qu'ils sont obligés. Bref, je vais juste me changer en vite-off parce que j'en ai marre d'avoir ce faux négatif là. Toi là, apprends rendez-vous avec les Rollins et le prochain qui m'enlève mes vêtements, je le baise. On est où là? Attention à toi.
Oh, le banc. Le banc, le banc. Libérer la Somalie. Biquer la Somalie. T'as... Du coup, c'est comment Simon, là? De quoi? Le brawler. C'est bon, j'ai mis le permis, je suis parti chercher. Ah bon, il est là, j'ai même pas vu. Je suis endormi à temps. Ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu le brawler? Au moins 3-4 jours, non? C'est vrai. Fait un moment, là. Je vais mettre mon doigt dans le pot d'échappement. Ah ouais, majestique là, ouais. Bref, rendez-vous rolling, hein, les gars, comme d'hab. Juste, si vous pouvez, là, mettez dans le coffre du brawler, vous mettez des chaises, là, histoire que quand on arrive, vous posez des chaises, comme d'hab, vous connaissez. Attitude, je vous dis, baissez pas les yeux face à eux, hein, qu'on soit clair, ne baissez pas les yeux face à eux. Jamais. Ne baissez pas les yeux face à eux, parce que t'as vu ce qu'ils ont fait là au quartier. Rich et moi, on va s'en occuper, tu vois. On va discuter parce que je crois 50 veut pas trop parler avec eux. Ils nous ont personnellement tiré dessus. Donc ça d'ailleurs, je pense pour le moment, le dites pas. Hein. Le dites pas parce qu'ils vont être contents de se dire qu'ils ont couché un gradé, je sais pas quoi. Ça, le dites pas, on va dire qu'ils ont blessé des petits. Mais sachez que ça va se payer. Ça va se payer, donc on va voir. Il est parti faire quoi, truc là? Il est se changer. Il change. Ok. Bah déjà mettez-vous en voiture là, que tout soit prêt quand il arrive. Quelqu'un à boire s'il vous plaît les gars. Non, on va prendre le balleur. Hein. Ah moi toujours. Putain. Personne tout seul là, prenez les deux oracles, le bowler et l'Audi. Vas-y, je me plains. Et des mecs qui attendent dehors pour monter avec 50. Sorry. Vas-y bah Majestic, tu monteras avec 50 et... Sorry, je crois que j'ai un nettoyé Audi. Vas-y monte Bandor. Je vais monter avec vous, vas-y. Vas-y, monte-toi. Vas-y, Bando et Majestic, vous montrez avec le 50. Vas-y, c'est bon. Tiro, il peut pas venir tout de suite. Tiro, je l'ai appelé, il répond pas, je suis allé cogner à sa porte, je crois qu'il dort fort. Hein. Ok, on va voir. Quand il veut le rendez-vous, il t'a envoyé un truc. Non, Mitch. T'as dit quoi? Il t'a envoyé un truc, le rendez-vous. Ouais, il m'a envoyé la pause là-bas, c'est la pause qui est sur GPS. Ouais, la pause grave basique à l'aéroport, je vais serrer. Yo, ils auraient pu mettre un truc stylé. Aéroport, les gars. On va se mettre en ligne derrière, les gars, s'il vous plaît. Putain. Les garder devant. Non, bah en vrai, mettez juste des chaises pour nous, mais pas que. Enfin, genre, mettez pas en ligne comme en 2012. Là. Il est parti où 50 lui. Il y en a toujours, ils ont 4 ans de retard, c'est grave. Ah, c'est vrai. Bon, c'est juste que t'as 4 ans d'avance. Je sais que je suis grave malin, hein. je le sais, je suis con. Il a 4 ans tout court. Trop d'âge mental, ouais. Putain, c'est grave marrant, c'est exactement ce que j'aurais dit. Attends, si t'es un petit bouffon, Simon. Quoi? J'écris par là à moi, non, j'allais descendre avec un Uzi que je n'ai pas. Attends, je teste un truc. Oh! Hey, ouais, mon il gars. Il a même pas réagi, yo. Hein? Attends, je savais pas, on avait les 4 fantastiques dans notre équipe. T'as vu, t'étais pas Naruto, mon frère. Attends, je teste un bail aussi. Bouge pas, Simon. Vas-y. Non, t'es beau. La Darona Stax quand Rich l'a emmené au cœur des intox. La vie. Oh voilà, c'est grave drôle. Tu as encore plus haut. Ça. Ouais, oh. Drôle, mais réel. Il va canner là. Il est où? Yo, c'est ça ton problème, toi. Talking to the moon. Ah, t'es revenu. Talking to the moon. L'eau est revenu. La vie c'était drôle. La vie c'était marrant. Faut avoir la rêve, c'est tout. Ah, j'ai la rêve, Kirikou par Look at me now, I'm on fire, bro. What? Oh, il est en roue libre. Il vient d'apprendre un bail. Bon, vas-y, c'est parti, les gars, on y va. Vas-y, montez. Suivez le brawler. Non. C'est parking aéroport, hein, 50 au cas où. Attendez, on attend le 50. Il suit pas, il est pas vif là, putain. Je vais me faire arracher. T'es vraiment le meilleur, Mitch. Ça va attirer les keufs là, mais qu'ils aillent tous de leur côté. Hein. Non, tranquille, on va prendre des routes tranquilles. Vive 50, voilà, 50, ça tape. Oh là, ils sont allés à l'essence. T'es vraiment trop vif, Mitch.
Attendez, venez, ils mettent de l'essence. Jesus, c'est ce que tu dis. T'es louche, Curtis. Il est vraiment louche, hein, t'as remarqué ça un peu. Il est suspect, ce mec. Normalement. Ah, les gars, moi j'ai. Ouais, bah, c'est qu'ils arrêtent de lancer. Ça va... Ils sont cons. T'as une buffalo derrière. Après, je vais aller la fouiller. C'est ici qu'on a trouvé la voiture, Nietzsche. Ah, ouais. Ah, t'as le guetteur là. Facile, c'est vrai. Tu te charges des chaises, Curtis. Vas-y. Je sens vivre. Maintenant, tu lui en mets sur la lèvre là. Yo yo yo. Salut les 50. Tranquille. Ouais les gars. Ouais, les gars. Tranquillement. Ouais, calme, calme, il y a le 50 qui va arriver là. Yo yo yo. Ah là là, les Rolling 60, putain. Tiens, Curtis. Je sais que c'est, je sais que c'est toi. Je suis au courant que c'est toi, on va régler ça au quartier, petite salope. Ah, c'est toi? Ah, mais bien sûr que c'est lui. Parfait, j'aime bien quand vous êtes efficace. Il est où le 50 là? Toi, je te laisse le truc du mineur. Yo, what's up, Rolling 60 boy. Les 50, je vous ai ramené ici pour mettre les choses au clair. Il y a pas mal de différences entre votre quartier et le mien. J'aimerais mettre les choses à plat, ça sert à de se tirer dessus. Merci Yasmine pour ton 8ème mois, merci Skynet, 24ème mois, 2 ans de sub, merci mon ref. La dernière fois on a fait un premier rendez-vous, une première approche envers vous. On va dire que ça... ça a mené à rien, c'était de la merde. Et flemme de reparler de ça. Il est là ton gars Tyrone. Vois, j'aimerais... Ouais, non il est pas là, il s'est pris des balles. Ouais, dommage. Il s'est pris des balles. Et maintenant t'as vu là, j'aimerais mettre les choses au clair avec vous. Savoir c'est comment. Et savoir vous voulez partir sur quoi. 50, je m'en sors. Yo boy. Ouais, ouais, vas-y. Je pense qu'on y parle pas comme ça, les gars. C'est que vaut mieux que je m'en sors. Bon, comment, par quoi, par où commencer, hein? Par où commencer? Déjà, le rendez-vous, il est au mauvais moment. Hein. Je pense qu'on est bien d'accord. C'est qui? C'est Wayne là qui parle. Wayne Larson devant toi. Ouais. C'est toi que j'ai eu au téléphone, ok. Yo, je pense que déjà, tu vois, le rendez-vous, il est un peu tard, Renoir. Tu vois, t'aurais dû le faire dès le début. On aurait dû fonctionner comme ça dès le début parce que si on est venu tirer à ton quartier, c'est pas simplement pour une insulte. Et ça, t'aurais dû essayer de t'en méfier bien avant, tu vois. T'aurais juste dû essayer de savoir pourquoi on a fait ça. Et peut-être qu'on aurait convenu de quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'aurais beau dire tout ce que je veux. Mais gars, dans tous les cas, tu shoot mes gars. Tu crois que je vais te dire, oh bah y'a pas de soucis, y'a rien. Non, je te demande pas. Non, l'action est là, pas c'est ton doigt qui a pressé la gâchette. Je te demande pas de me dire y'a pas de soucis, je te demande juste de m'appeler et de me dire yo, y'a quoi, c'est quoi le bail, c'est quoi le problème, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la guerre? Et à ce moment-là, si je te dis ouais, je te baisse ta mère, je te tire dessus, y'a quoi? Bah là, tu viens me driver si tu veux. Mais là, les choses, elles ont été faites dans le mauvais ordre. Tu vois, nous, tu verras par la suite qu'on fait les choses dans le bon ordre. Et on va continuer de le faire dans le bon ordre, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Là, vous avez fait les choses dans le désordre. Mon 50, là, si c'est... Je vous dis, hein, quand 50, il parle pas comme ça, vaut mieux l'entendre parler et t'entendre t'insulter que quand il parle pas. Quand il parle pas, le c'est sang, encore pire. Appelle le sang, c'est tout. Je sais bien, mais là, t'as Attends, Mitch, attends, parce que vous me faites vachement rigoler avec vos histoires de le sang, appelle le sang. Qui c'est qui nous a arrivé en premier? Bah, c'est vous. C'est vous, les gars. Mais c'est pour ça que c'est bien ce qui me semblait. Vous êtes complètement paumés, les mecs. Qui c'est qui nous a drahi alors qu'on est en train de parler avec les AOD? Oh, faut vous réveiller, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben ouais, vous savez même pas ce que vous faites. Bien sûr que si, c'est vous. C'est juste que t'es même pas au courant. Si. T'as pas drahi des AOD par hasard? Non. Bah, c'est pas. Écoute. Mais bon, en tout cas, si t'es dans l'eau, je suis ravi. Écoute. Ouais, t'es ravi, t'as vu, t'es ravi. Mais t'es en train encore à me prouver par A plus B que tu sais pas de quoi tu parles. Parce que j'étais à côté, putain de merde. Tu vois? C'est pour ça qu'on est venu vous drahi. Donc vous avez tiré en premier. Ensuite, nous on a reçu une mission par rapport à ça, on est venu vous drive, bon ça on s'en bat les couilles. Parce que Mitch il essaie de vous expliquer une histoire de désordre et d'ordre, il est bien trop gentil. Et on a rien à vous dire, vous faites comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Chacun fait ce qu'il veut, t'as vu? Faites comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Par contre, chacun fait comme il veut, mais commencez pas à nous faire la morale en mode ouais le sang machin. Vous avez tiré en premier, vous avez engagé un truc. Gueule, ton gars il parle, je réponds, c'est tout. T'es arrivé en premier, t'es même pas au courant que tu nous as drive en premier. La seule différence. Parce que ma gueule, tu crois je réfléchis à qui y a autour quand je tire, je m'en bats les couilles. J'ai très bien. Une cible en vue. Très bien. Ok. Donc, en attendant, me dis pas le sang un peu le sang parce que vous êtes les initiateurs. Donc commencez pas à me faire les choquer parce qu'on est venu vous drive.
Ouais, on est choqué, qu'est-ce que tu racontes? Si, il y a une question choquée. Le sang appelle le sang, blablabla. Au vu de ce qu'a dit ton gars, ça n'a rien à voir avec ce fameux drive-by où on a tiré sur les AOD là. Tu cherches. Ça a clairement à voir. En fait, je vais pas te. On n'a pas comme vous. On va pas tirer sur les AOD. Ça aussi dans le désordre, les gars. Mais je vais pas laisser ça dans le désordre. C'est juste que nous, t'as suivi ? On avait une mission, on a été payé, on a fait le boulot. Maintenant, c'est pas à moi de me justifier, de dire j'ai fait ça parce que ça. Là, moi, je vais pas à me justifier. Hein. Aujourd'hui, là, les seules personnes qui vont justifier, ce sera vous et peut-être contre un mur prochainement, tu vois. Donc maintenant, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que concrètement, si vous étiez venu nous voir, peut-être les choses ne seraient pas parties aussi loin. Peut-être vous nous auriez demandé quelque chose, j'en sais rien. Peut-être qu'on aurait accepté, peut-être pas. Maintenant, là, vous avez fait les choses dans le désordre. Vous êtes vraiment venu à l'intérieur du quartier, tirer sur des personnes, tirer, tu vois, c'était pas un avertissement, c'était clairement pas un avertissement, vous êtes venus pour tuer, parce que nous, vous êtes très bien vus, ouais, c'est un assaut, exactement, nous, on est venus de loin, on vous a tiré dessus de loin, on n'est pas rentré à l'intérieur, on n'a pas craché sur vos terres, parce que, moi, t'as vu, moi, le jour où je vais rentrer à l'intérieur avec un fusil à pompe pour cracher sur tes terres et pour tirer pour tuer, le jour où j'aurais fait ça, c'est que vraiment je veux ta vie et que je l'aurai. Ma gueule, t'as envoyé un de mes gars à l'hôpital et tu me parles de pas tirer pour tuer, quoi. Okay, tu t'as visé quoi? T'as visé ses pieds? Ah, ouais, visé la tête, hein, clairement. On a clairement visé la tête, par contre, attends, qu'on soit clair. J'ai envoyé un de tes gars à l'hôpital. Tous les jours, on en envoie des gars à l'hôpital. Tous les jours, t'as des gars à l'hôpital. Même moi, tous les jours, j'ai des gars à l'hôpital. Tous les jours, si on part de ce principe-là, il y a deux petites chez nous qui vont s'embrouiller, ils vont se frapper, il y en a un des deux qui va aller à l'hôpital, on va se drive. Justement, c'est ce que je t'explique. Ça n'a rien à voir entre tirer des coups de feu et se battre et mettre des coups de boîte. Tu le sais très bien, t'es pas con, je pense. Je sais très bien, mais là, le problème, c'est que les choses, elles ont été démesurées. Votre réponse, elle a été démesurée. Donc, dans tous les cas, nous, même si vous venez nous parler aujourd'hui, qu'on a l'impression, enfin, que vous essayez de faire genre, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Nous, on n'a pas du tout mis d'eau dans notre vin, tu vois. Et clairement, on n'en mettra pas, parce que là, actuellement, on a été correct dans ce qu'on a fait. On n'a pas fait les choses dans le mauvais sens. C'est quoi mieux, alors, voilà. Parce que j'ai pas envie de discuter. Tu voulais qu'il se résume à quoi, ce rendez-vous, hein? Dis-moi un peu. C'est quoi? Moi, t'as vu, je vous ai convoqué à la base. Parce que nous, les Rollies, on est un set assez conséquent à Liberty City. On fait beaucoup de bruit dans la rue. On a su prouver, on a su éteindre des quartiers, récupérer des sets. Donc maintenant, tu vois, ça va être simple. Tu vois, vous êtes là, vous avez récupéré le Bronx, c'est bien, etc. Mais là, les gars, vaut mieux n'avoir deux, t'as capté? Moi, je suis pas un mec, t'as vu? Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est nous. La roue, elle tourne. C'est bien, mais t'as vu ce que je t'ai expliqué, Poto, c'est que déjà, dès le début, nos deux quartiers, il y avait des tensions. Il y avait des tensions de merde inutiles, Poto, ça sert à rien. Et moi, je te dis, c'est soit on fait carte sur table, soit ça part en couille maintenant. Et je pense que c'est mieux pour vous, ça part pas en couille maintenant. Attends, mais tu me menaces de quoi? C'est même pas une menace. Ok, mais concrètement, si tu me dis ça, ça veut dire quoi? Non, j'ai même pas compris. Non, la nuit, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Parce que c'est toi qui as demandé le rendez-vous. Moi, de base, je voulais même pas vous parler déjà, tu mais vois. Mais les choses sont claires, Poto. Je suis en dépression, tous les jours, il y a la nuit. Bon, Poto, t'as vu, je vais pas te mentir. Là, réponds à ma question. Mais comment ça, c'est quoi ta question? Bah, je peux pas faire plus clair. C'est quoi que t'as à mettre au clair? Bah, tout ce qui s'est passé, Poto. T'es bête ou quoi? On continue à se tirer dessus, on fait quoi? Attends, nous on est venu vous tirer dessus. Eh, écoute, si tu disais un peu les trois chromosomes dans ton crâne là, tu serais au courant qu'on a oui, tu étais missionné. Non, mais on s'en bat les couilles de ça. T'as vu? Logiquement, si je suis la logique de on met pas les choses au clair, ça veut dire que moi dès ce soir je suis en train de vous tirer dessus. Puisque logiquement je suis la même logique que depuis le début, on est d'accord? Si on n'est pas venu de dry, c'est pas compliqué. C'est que nous on s'en bat les couilles de vos histoires de dry. T'es venu tirer machin bidule. En plus de ça, t'as touché un Floyd. C'est un mec important dans le quartier. Vas-y tranquille. Vous avez fait votre truc, vous avez voulu penser comme vous voulez penser. À la différence de Mitch, c'est que moi j'essaye même pas de vous comprendre ou de vous dire ce que vous devez faire. Eh, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Maintenant, voilà, y'a rien à mettre au clair, on en est là, y'a rien à décider. À moins que toi t'aies un truc concret à me dire, le pourquoi du comment, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? T'es venu tirer sur mon putain de frère qui gère le quartier. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Et la faute, elle part de chez vous. À partir du moment où il y a un gars de chez vous qui insulte mon fichier, tu veux que je le prenne comment derrière? Hein? Il mérite que ton gars il canne. Tout ce qu'il mérite. Histoire avec un gars de chez nous qui est venu. Histoire avec un gars de chez nous. Ça, c'est fini. Mais en interne, c'est une chose. Bref, ça y est, ça mène à rien, ça sert à rien. Je sais même pas pourquoi on discute, je sais même pas pourquoi il y a rendez-vous. Je suis d'accord. C'est bonne journée, on va retourner dans notre coin, on va retourner dans le vote. Non, mais y a pas de baiser, pas baiser. C'est que moi, je pensais que t'as vu que si vous vouliez un rendez-vous, c'est que vous saviez où vous vouliez aller. Mais visiblement, même vous savez même pas pourquoi on est là en fait. Bah Poto, moi je vous voulais que ça s'arrange, vous voulez. C'est tout Poto. T'as dit quoi? Je sais pas, j'essaie de parler avec toi, je sais pas, j'ai rompu.
Y'a pas de discours rompu. Mais de quel discours rompu tu me parles? Pas, poto, tu veux pas parler, on dirait. On dirait t'es là, tu... Non, c'est que je te laisse choisir la direction de la conversation. Et toi-même, tu sais pas où tu vas. Comment tu veux que moi je choisisse? C'est toi qui es venu tirer. Que si, poto. Ah, ok, bah vas-y, écoute, très bien. Donc maintenant, je vais choisir une autre direction de conversation. Écoute, c'est simple. Si derrière, y'a pas compensation pour ce que vous avez fait à Rich, eh ben très bien. On restera sur un point pourri comme on est maintenant. Y aura pas de compensation. Bonne journée. Vas-y, ouais, on se casse, ça y est. Voilà, voilà. Faut arrêter. Voilà, bah ouais, faut arrêter. Allô, calme les 50. Ouais, non, reste là, le temps qu'ils partent, on va discuter. Aïe aïe aïe. Ah, y'a rien, y'a rien, c'est rien. Bah, les couilles. On perd notre temps, tout cario. C'est pas grave, vas-y, de toute façon, comme si on avait des trucs super, super trucs à faire. Non, moi, je vous le dis, mettez-vous en face de moi quand je vous parle là maintenant. Simon, viens voir Simon, pourquoi t'es un peu tard de sortie? Tu me dis deux secondes, vite fait. Ah, c'est un fake. C'est un faux, ça. Ah, c'est bien. Mais j'avais dit qu'on sortait rien en. Ah, on a ouais, rien. C'est pour ça que. Ouais, on sortait rien. Ouais. Si toi. Toujours sur moi, ça. Mais qui t'a dit de le sortir, espèce d'inculé? Eh, pourquoi vas-y, tu prends des décisions alors tout le monde écoute des trucs là? Mais alors, frère, moi je vais te baiser. Toi, tout le temps, tu fais des conneries alors qu'on dit de pas faire des dingueries. Casse les couilles. Il l'a sorti, ouais, il l'a sorti là. Je l'ai depuis. Non, parce que tu l'as sorti de ta poche, c'est ce que je te demande. Par l'américain, je vais te monter en l'air. Là, là, ouais, vite fait. Et pourquoi tu le sors? J'ai dit quoi? Il se fait baiser. Pourquoi tu sors un truc? Mais tu sors en fait, tu mets un coup de pression, pourquoi? Vas-y, l'onto, bah j'ai une tarasse, vas-y. Mais con, ce gars. Attends, non, pas la machette. 50, pas la machette. Ma parole mérite. 50, pas la machette, c'est très bien comment ça va finir. Eh, ça vous foutait de ma gueule, hein, quand j'étais en train de. J'étais comme ça, foutait de ma gueule quand je parlais. Ouais, ah, t'inquiète pas, 50, non, non. Moi, je suis venu à la fin et t'es parti changer. Je l'ai redit, de toute façon, bref. Ah là là. T'as l'agence, c'est un match entre toi et lui. Moi, je te resterai. En vrai, c'est lourd, mais c'est juste que c'est vrai qu'ils avaient pas préparé leur rendez-vous en fait. Crève la bouche, merde. Comme il a, en vrai, il a eu raison, Aziel, quand il disait, ouais, vous savez pas, vous êtes pas venu avec une idée en tête. Tu vois pas, qui t'a demandé de faire quelque chose? On t'a demandé de faire un truc. C'est bien, t'as des initiatives, mais t'es un petit peu, t'es une demeure. Va bouder là-bas, va. T'es une demeure. Oh, je suis ouais, trop bref. Voilà. Bref, eux, je sais pas. En vrai, j'ai même pas les nerfs contre eux plus que ça. Juste Rich, je serais à la place de Rich, j'aurais le démon normal et s'est fait tirer dessus, mais c'est la rue. Vas-y, reviens, on n'est pas à l'école, vas-y, reviens devant, on n'est pas à l'école, reviens. Mais refais plus un truc comme ça, je vais péter ma tête. Eh, je vous expliquais un truc simple. Enfin, ça veut que pour lui, mais vous allez avoir un autre discours moralisateur à cause de ce bouffon. Donc faites-le comprendre. Eh, il faut qu'ils pensent qu'on est au fond du trou. Au moins qu'on ait cet avantage-là. Comme ça, le jour où on sort et qu'on leur met une misère, ils vont encore avoir plus mal. Plus tu tombes de haut, plus tu te fais mal. T'as compris, l'autre débile? Ouais. Voilà. Bref. Moi, j'ai l'impression qu'ils cherchent à prouver surtout là. Tu vois, ouais, ouais, arrête de vouloir. Eh, ceux qui sont les plus efficaces et qui couvrent le plus. C'est ceux qui parlent le moins et qui font le plus de trucs. D'ailleurs, tiens, tu voulais parler un truc avec pour Rax, toi, Bitch, bah tu sais quoi, annonce-le maintenant. De qui, moi? Ouais, bah c'est toi qui a initié l'idée, donc vas-y. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu regardé comment se comportait Rax, et je pense que de tous les dealers, c'est le seul qui mérite de passer Disciple. Donc bienvenue chez les Disciple, Rax. Ah, bien vu. T'es un 50 bien confirmé, vu, man. Bien joué. Ouais, bien vu. Sur mon Twitter, mon gars, il est passé comme ça, bien vu, Rax. Force. Bien vu, Renaud. C'est carré. Bref, dans tous les cas, on était sûr, hein, ce rendez-vous, il allait mener à rien. J'ai quand même décidé de le faire pour voir s'ils avaient une idée en tête, un truc spécial, spécifique. Pour le coup, non. Et vas-y, bon les couilles. Ils voulaient nous montrer qu'ils étaient au-dessus, c'est tout. Moi, j'ai moi, mais même pas. En fait, c'est ça leur problème. Même pas. Il m'a rien montré parce qu'il m'a rien dit. Ouais, il m'a dit, on fait quoi maintenant? Quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu sais ce que tu veux. En fait, là, t'as vu, c'est quoi le problème? Surtout que c'est pas à nous de diriger le truc. Bah oui, on s'en fout, nous. Si nous on a laissé couler, on leur a montré qu'on s'en battait les couilles, qu'ils étaient dry chez nous. On leur a dit vas-y, on a limite plié le genou, tu vois. Dans la rue, c'est comme si on avait plié le genou. On a plié le genou, on les a laissé faire leur vie. Ils viennent nous voir pour nous dire ouais, on fait quoi maintenant? J'en sais rien, moi, c'est toi qui me tires dessus. Trop de balle, va. Bref, eux, c'est simple. Eux, ils vont se finir contre un mur. Et moi, quand je les aurai contre un mur et que j'aurai décidé d'un rendez-vous, je saurai ce que je vais leur dire. Disciple, c'est le grade en mode. Au calme, eux, laissez-les faire petit, leur vie. Et ensuite, t'as le grade au-dessus, c'est Disciple. Tous les mecs, bref, on y va, hein. Ranger les chaises, on se casse. Y'a un truc en particulier à faire ou pas là, les gars? Non. Ah si, à 23h, y'a un truc à faire. Ah si, à 23h, il faut qu'il y ait un mec qui aille faire le garde du corps, on est payé pour ça là. Je vais garder la télé, moi. Ouais, un seul mec, ouais, qui va faire. Non, c'est Simon qui a parlé. Attends, mais Simon, t'es où, viens voir, disons? Eh, t'as parlé avec un mec Popa, non? Une soirée ou je sais pas quoi là. Ouais, t'as l'air d'identité en forêt, quoi. C'est lui qui parle, quoi, il parle à toi, t'as dit quoi? C'est pour un truc de garde du corps, non? Ta tête là. Eh, écoute, vois, parce qu'il va m'appeler, il veut que tu vas y aller vu que t'as toi qui a parlé avec lui. Je suis dans la voiture Tiroy, va dans une autre voiture. Quand il a besoin de quelqu'un, je t'enverrai toi. Vous allez au label? Ouais, on fait un tour quartier, après on va au label. Vas-y, on se rejoint tous au quartier là, pas besoin de se suivre. Je peux passer à la Buffalo aussi vite fait? Quoi? Buffalo en bas. Oui, vas-y.
Ça se manque au Cutman avec le machin. C'est un guetteur. Vas-y, va voir. Vas-y, monte. Hey, quand j'ai une épisode, je t'appelle. Hein. Vas-y, carré. C'est le remontant le truc du label là. Ouais, je vais parler à cette pétasse, mais elle a l'air de bien dormir son clavier. De quoi là pour le label? Vous voulez faire quoi? Il y a une meuf qui gère le label, elle voulait me présenter les différents trucs parce que j'ai pas envie d'être avec une meuf aux commandes qui dort et qui se branle les couilles. Juste avoir un peu pour travailler ou. Ouais. Pour être non, pour être signé et présenter toute la panoplie qu'on a, tu vois. Je veux dire qu'on a des beatmakers et tout. Ok, je vois. Surtout voir les tarifs, savoir si ça motive ou si ça endort. Parce que moi, tu me dis 10K, je t'avoue, je vais rien sortir du tout. Je vais l'appeler vite fait. Ta grosse tête là. Moi je vais pisser les gars, je reviens. Va. Eh mais Guenon, on va pas commencer à la caronne de là-bas. Hein. Trini qui va nous voir tout à l'heure avec tous les 50. Vas-y, cool. Ça fait un truc. Ils ont des trucs à nous dire pour le coup. Ouais. Ah bah, en fait, après, ils ont l'air un peu défoncés. Hein. Ils veulent quoi? C'est quoi? Non mais en fait, c'est ça. J'ai vraiment du mal à comprendre comment ça fonctionne. Ah si, il m'a dit un truc Big N, t'as vu? C'était... Ah mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus nous voir, c'est trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? Big N, il m'a dit qu'il avait envoyé. Mais toi, t'étais là de toute façon. Qu'il avait envoyé full Rollins à l'hôpital, t'as vu? Oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus nous voir. Ils ont dû perdre des trucs ou de l'argent ou je ne sais quoi, ou ils sont pas bien, tu vois. Et du coup, ils se sont dit, ouais, faut qu'on fasse ça parce qu'ils vont nous tomber dessus. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. C'est pour ça qu'ils sont venus nous parler en... à platir le truc, en fait. Ouais, non, mais même qu'ils parlent ou qu'ils parlent pas, ça sert à quoi, frère? J'ai envie de te dire, tu vois quoi, faire une trêve, on s'en bat les couilles. Non, mais oui. La rue, c'est non, pas. Non, mais vas-y, tranquille. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, moi, plus ça va, plus je trouve qu'ils perdent en crédibilité, ces mecs-là. Franchement, j'ai du mal. Hein. Après, ça fait 4 jours qu'on a apparemment, c'était les rois du crack. Je parlais avec une mais ma bite, le roi du crack, ma bite. Tout le monde dit mais ça. Par contre, hier, tu sais, le truc qu'on vous a dit, le truc du labo, là, c'était chaud de ouf. Ouais. En fait, c'est pas un labo et je pense que c'était des Rollins qui se faisaient péter par les keufs. Mais il y en a au moins 4 ou 5 qui se sont fait baiser. Hein. Ils étaient auto et tout ça. Ils se sont fait enculer hier. Ah ouais, c'est pour ça. S'ils ont envoyé des Rollins à l'hôpital, plus les flics, c'est qu'en fait, ils sont pas bien là. Ouais, ils sont pas bien du coup. Bah, après, moi, je m'en bats les couilles, ça change rien à notre plan prévu. On va continuer à grandir tranquillement. Voilà, moi, je vous le dis, la meilleure vengeance, Rich, les balles qu'il a, on n'oubliera jamais. Mais faut pas réagir à chaud. Rich, je sais que ça te fait chier, mais voilà, faut prendre sur soi. Ça va être compliqué les prochains jours. Ça va... À chaque fois que tu vas te coucher, tu vas avoir mal au but, tu vas penser à eux. T'inquiète pas, t'auras ta vengeance. Mais pas tout de suite. Bref, du coup, Trini veut nous voir. Ok, ouais, bon. Et SO, ça te dit quoi leur mission de mes couilles là? C'est ce soir. Ils vont passer nous voir ce soir là. Attends, je les appelle. Ouais, quelqu'un a entendu parler des Chasseline ou pas? Dans le coin, c'est un truc comme ça pour moi. Pas du tout. Si, ouais, Mitch, il y a un Trini. Ouais. Il y a un Trini, il m'a appelé, il m'a dit veut ton hum. Ouais, je l'ai eu, t'inquiète. Qui a entendu parler des Chasseline? Moi. Chasseline, moi j'ai croisé la meuf. Ah, ça va des numéros, des trucs comme ça ou pas? C'est des Crips. Je vais pisser vite. Non, j'ai pas de numéro. Moi j'ai un hum. Les AOD ils me rappellent pas donc ils me répondent pas, ils me rappellent pas. Moi je veux bien garder leur putain, mais je suis pas un stock d'armes. Hein, donc, bon, les AOD en plus j'ai besoin d'eux là. Bah ouais, je pense que c'est la sauce pour eux. Ah ouais, je pense qu'ils sont. Yo Hector, ça va man. Après avec un peu de ouais, tranquille. Dis-moi le truc que tu m'as parlé hier là concernant un truc qui était tombé du camion, c'est toujours d'actu pour ce soir ou c'est plus tard? Les médocs. Ouais. Faire ça ce soir. Ok, bah écoute, tiens-moi au courant, nous on est dispo. On a déjà des gars qui s'occupent de ce que tu m'as demandé hier et on voit. Hein. Ça va bien, tranquillo. Je vois pour faire ça ce soir, tranquillo. Vas-y, bah tiens-moi au courant, nous on attend ça. Envoie-moi un message avec ton nom, ton surnom, là, comme ça je suis sûr de pas me tromper quand tu m'appelles. Vas-y, ça marche, vas-y, à tout à l'heure. Gracias. Bon, écoute, c'est Slim. Bah, ouais, il va m'appeler et une fois qu'il m'a appelé, on est bien. Viens voir toi là. Et qui m'a appelé, j'ai eu les autres, il m'a dit garde tout. Quoi? Il m'a dit garde tout. Là, il doit. Tu te fous de ma gueule. La vie de ma mère, il m'a dit garde tout. J'ai négocié, il m'a dit garde tout. Tu rigoles là? Non, ma parole, c'est vrai, la tête de Rich. Ah, tant mieux. Je voulais dire quoi? J'ai appelé. Il a dit tant mieux en mode de donner un bloc de coke, c'est fou. Il a dit tant mieux en mode c'est 10 balles. C'est ouf. C'est que là, il est parti sur un autre sujet. Ça fait pas tout cette merde, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout, mais ça aide un peu quand même. Ça fait pas tout, les gars, c'est genre 300 000 $ d'économiser, merci à nous. Ouais, clairement. Hein. Tu sais que là, tout ce qu'on a dans le coffre, là, t'as vu ou pas, Magé? Ouais. Bah, on le garde. Ils abusent, ça va trop vite. Et là, eux, ils sont trichés, ils s'en foutent. Ah ouais, ça fait bien. Ah ouais, c'est juste économiquement. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, c'est bien parce que. Ok, bah, carré, tant mieux.
Du coup, ça c'est tous les groupes, en fait, sont déjà loin, frère. Philippe, nous, on est en retard. Ouais, du coup. On a dit qu'il y avait apparemment des gestes nains aussi qui étaient sur le délire. Ok, bah, faudra aller chiquer. Moi, ces mecs-là, j'ai envie de les... Les attraper. Les baiser. Les ouais, baiser, bah oui, bien sûr. Faire une commande, les après, baiser. Après, moi, là, ce qui me fait chier, c'est que j'avais un... Moi, j'avais prévu un emploi sur la première semaine, deux semaines, là, qui arrive, avec les pétards, en prenant en compte qu'on n'est pas de pétards. Là, on en a, quoi. De toute façon, on n'a pas de douille, je crois, non. Mais là, c'est bon, là, les pétards, ils sont à nous, 50, là. Moi, on va pas les laisser pourrir dans l'armoire. Non, non, on peut les prendre maintenant. Mais bon. Du coup, nique sa mère. Par contre, pour la distribution des pétards, tu voulais la faire comment? Je sais que Rich et Magic, ils s'en battent les couilles d'avoir des flingues. Ouais, moi, j'en veux un peu mettre coup de pression, c'est tout. Mais le problème, c'est que le problème, c'est quoi? C'est que là, il va falloir faire autrement que. Ça va falloir drop les pétards en fonction de ce qui se passe. Hein. Parce que moi, je te dis. Ça sert à rien de mettre. Ouais, dis-moi, tu devrais les... Tu devrais déjà pas les laisser à disposition. Ouais, déjà, les bouger. Ça, on va les bouger, ça. Mais attends, parce que là, le problème, c'est qu'on n'a pas... Il faudrait un autre local, enfin, c'est une galère. En gros, comment on pourra les utiliser quand on va mettre en place les deux blocs, là? Ouais, ouais. On mettra ça en place tranquillement, on enfilera quelques-uns à l'un et quelques-uns à l'autre. Et le reste, on gardera pour nous. C'est ce qu'il faudrait faire, dans chaque bloc, mettre deux pétards dans chaque bloc, et eux, ils gèrent. Mais du coup, il faut qu'ils fassent leur équipe aussi, tu vois. Ça prendra le temps, ouais, tranquille, dans les prochains jours. Ok, ok. S'il faut secouer la meuf du label, je m'en bats les couilles. Ok, et saute après. S'il faut, messagerie direct. Non, elle lui répond pas. Là, en vrai, Rich, ce qu'on peut faire, c'est les autos. Pour le moment, on peut les cacher dans ta cave, là, non? En fait... Ouais, vas-y, go. Je pense qu'elle est pas au courant, on va lui ramener que les cave là-bas, là. Ouais, y'a combien de... On a des autos. Mais on a deux autos. T'as pas suivi, toi? On a deux autos et cinq gars. J'ai pas vu les deux autos. Laisse couler là-dedans le temps. Eh, parle moins fort là, mon frère. Là, tu vas pas le bloquer, les gars. Tu prends un agent IMO et tu fous ça ailleurs. Hein. Ouais, sinon, il nous faudra un autre entrepôt. Ouais, ouais, on fout ça ailleurs. On met tout ailleurs. Venez, on va visiter ma cave là. Venez. Ouais, venez, vous allez voir, c'est stylé là-bas. C'est grave bizarre comment t'as dit ça. Je suis une pute, moi. On va visiter ma cave. Venez, on va visiter ma cave. J'ai le plus de testostérone dans la famille Floyd. C'est moi, Big Rich. T'as vu, je le fais bien. Ouais, moi aussi, je le fais bien, Rich, regarde. Enfin, il passe devant moi, enculé. Oh, les bâtards. Oh. C'est bien, petit. Petite imitation de Rich, les gars. Vous en merde. Ah ouais, du coup, Hector, j'ai appelé Hector, il m'a dit les médicaments, là, il m'appelle dans la soirée. Vas-y, carré. Donc déjà, j'espère qu'il y aura une commande d'aspirine dedans. Ah, ça serait lourd par contre. Hein. Ça, on enchaîne avec les briques. C'est qui ça là-bas là? Les voitures elles passent bien vite. Hein. Ouais. What? T'as les clés d'ici? On sort les poubelles l'enfoiré. Non, y'a que Rich, il les a. Yo, il s'est fait une cave de fou. Pouah, elle est incroyable. Putain. Ouais, ça pue. On a mis les moyens, là. Wouah, ça pue. Ah ouais. Non, c'est réel, hein. Wouah, la petite brush. Ça pue de fou. Dans mon délire, les gars, c'est moi. T'es dans ton délire. C'est où se planquer s'il y a les frics, hein. C'est là qu'ils sont en train d'affiner pour prendre des scores. Personne ne me retrouve, les gars, ici, moi. Hein. Ouais, incroyable, wesh. Elle est incroyable, sa cave. Ah, pas mal, pas mal. Comment s'est planqué, en plus. Ah, pas mal, en vrai. Ton lit, il est dégueulasse. Me dis pas que tu dors sur ça. La vie des femmes, que c'est grave. Espèce de bâtard. Ouais. T'as vu ici pour zoner là, pour parler entre gradés, je pense que c'est propre. Hein. Ouais, meilleur bail. Tu mets les autos ici du coup? Je pense en vrai, pour les cacher pour le moment, ça peut le faire. Ah, il faut les clés d'ici du coup, on est tous les clés d'ici alors. J'ai une paire, j'en ai deux. Mais je peux en refaire d'autres. Tranquille, ouais, on en fera d'autres. Ouais, on fera ça, tranquille. Ouais. Ouais, du coup là, Hector il me tient au courant. Qui d'autre? Ah, aidez-moi, faut que je leur parle là du truc de vélo. Attends, je vais appeler Thibaut. Je te cache pas, non, mais c'est impossible. Ils sont en négociation avec la police, ils sont en galère de fou. Jamais encore, ils vont. Encore là, mais wesh, ouais, ils s'en sortent jamais. Mais comment? Ils ont volé la statue de la liberté, ils ont fait péter les ponts, ils sont indépendants. Tu crois qu'ils vont aller vendre? Bah oui. Ils ont volé la statue de la liberté. Mais ouais. Oui. Bah nous aussi d'ailleurs, on était dedans. Putain, moi j'avais pas compris, c'était ça la mission. mais même moi, je savais pas c'était ça. Quand j'ai vu qu'on a volé la... Quand j'ai vu qu'on l'a volé, je me suis tapé une barre. Je fais, ah bah. J'arrive, je leur dis, vous étiez où? Ils me disent, on a. Les odeurs. Mais tu sais qu'elle y est plus, hein. Non, tu vas mais côté... Tu vas à l'hôpital. Comment elle l'a pris, oh? Mais avec des hélicos. En hélico. C'était taré, ces mecs qui ont pu. Yo, Mitch, t'as de la canne pour moi ou pas? Curtis, il me répond pas là. Toujours des délires avec des terroristes, je comprends pas. Bon, des biens, niveau truc. Fuck.
Bon, du coup, ouais, là, bah, ça fait chier, en vrai, limite, c'était rapide. Bon, bref, tant pis. Ok, bon, bah, en vrai, c'est carré, hein. Franchement, c'est carré, là, on est bien armé, ça veut dire, là, on va pouvoir... Il faut des balles d'auto, quand même. Non, on n'est pas si bien que ça, en réalité, on est bien pour pouvoir survivre, quoi. Ouais. Vas-y, du coup, mais, au niveau des blocs, du coup, parce qu'on peut commencer... Mais t'as eu une pour les balles ou pas, avec la mise en place, quoi. Non, c'est des cuisines qui vendent des balles d'auto. Ok, bah, tu vas pas voir avec eux directement, le prix est donc... Si, mais on a pas le temps d'en parler, en fait, encore. Vas-y. Du coup, niveau bloc, là, go appeler les voulez leur donner accès ici ou pas, Gunna et truc, non, c'est que nous ici. Hein. Non, que nous. On m'envoie un message. Ouais, tu veux de la com. Ouais, un peu plus tard, là, parce que là, on fait la mission, là, que t'as donné à Ditch. Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, appelle-moi quand tu... Comment vous voulez que ça quand tu me croises le quartier, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir un bloc d'endormi, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, deux équipes... Honnêtement, je vais vous parler américain. Marlo, je sais qu'il va tenir son bloc. Gunna, je sais pas si. Je le connais, je sais que c'est un bon de fou, mais je sais pas si c'était un bloc. Je sais que c'est un bon de fou, faut voir ce qu'il va donner. Si, il tente et puis ça mange. Moi, je pense pas. Ça le fait. Bien sûr qu'il tente, Gunna. Ça le fait. Marlo, je le connais mieux que Gunna. Je sais que Marlo va le faire. Gunna, je le connais pas aussi. Moi, je pense que Gunna, ça peut le faire. Et dans tous les cas, même si ça marche pas avec Gunna, il y a toujours des mecs comme Rax qui sont. Je le coupe à la hachette, quoi, si ça marche. J'ai déjà vu gérer des blocs. Hein. Si tu dis que c'est bon, c'est bon. Ouais, eux deux, là, c'est simple. Ils prennent chacun des. Regarde, ils sont combien d'ailleurs. Après, ils prennent des dealers. Je sais que Rax va forcément être dans le bloc de Marlo, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. C'est un peu, ils sont un peu indissociables, quoi. Ouais, normal. Et puis, il faut mieux avoir des gens qui se connaissent bien dans les mêmes blocs. Donc, derrière, le mieux, c'est qu'on les ramène ici, on voit avec eux, non? Ouais, si tu veux. Mais d'ailleurs, attends, fallait que je te parle d'un truc, là. Les Trini, ils ont pris pour des putes, justement, parce qu'après, on va avoir le rendez-vous avec eux, là. Ouais. Tu vois, les Trini, on allait parler avec eux, là, derrière la station essence, je sais pas où, là. Ouais. Ils nous ont dit, ouais, y a rien, tranquille, histoire de petit. Mais en fait, moi, j'ai mis un papier dans la boîte aux lettres de Bando pour savoir un peu ce qui s'était passé. Je lui ai dit, yo, j'ai entendu parler, il y a des embrouilles, explique-moi. Et en gros, il m'a expliqué qu'il allait se régler juste avec Randy des Trini, là, parce qu'il lui avait volé une machette, je sais pas quoi. Et que eux, les Trini, soit c'est eux, bah non, c'est pas eux apparemment. En gros, ils ont missionné des mecs, ils ont payé des gars qui sont arrivés avec des AKU, avec des autos et tout, et qui l'ont braqué, et il s'est pris une balle. Quoi? Ouais, c'est vraiment des salopes. Donc, les Trini, tu vois, on leur a volé une machette, ils ont ramené des mecs avec des AK, etc., etc. Donc, je sais pas... Mais des mecs, ils sont hors de leur gang. Ouais, parce que c'est... Moi, je lui ai dit, ouais, ça se trouve, c'est des Trini qui sont juste bien armés et tout. Il m'a dit, non, ils m'ont dit que c'était pas des Trini, je sais pas quoi. Non, les buts. Il a l'air de s'en battre les couilles de ces gars. Le Tiguer, ça a l'air d'être un défoncé. Ouais, il est défoncé. Vas-y. Écoute, ce qu'on va faire là, c'est que donne-moi les clés, viteuf. Je vais aller chercher les deux autos. Je vais appeler Gunna et truc. Je voulais ramener ici. Les clés, ce sera plus tard. Mais si tu veux que je revienne. J'ai une paire. Hein. Si tu veux que je rentre pour mettre dans le coffre, vous mettez que j'ai les clés, quoi. Non, mais donne-les-moi. Il a pas les épaules. Tourne la porte derrière toi. Toi, c'est clair, tu les auras pas, toi. Ton gros crâne. Hey, comment t'as eu un caleçon Burberry comme ça là, Madji? Attends, mais comment ça, mon gros crâne, quoi, toi? Tiens, dans tes couilles. Tu je te baise, c'est ça? Tu je te baise. Je rigole, excuse-moi. Ouais. C'est. La machette, je vais la garder. T'as vu tes cheveux un jour, je vais les. En fait, c'est simple. Tu coupes mes cheveux, tu m'as pour de vrai. Parce que il y en a deux autres après qui vont venir te chercher. Les cheveux, là, c'est ma maman qui me les a donnés. Et si tu retires ce que ma maman m'a donné, je vais te bouillave, comme je bouillave toutes les femmes de cette ville. Il est parti carrément. Attends, qu'il part pour dire ça, enculé. Il est plus là, t'as vu. Ferme ta gueule, toi. Attends, je te dis. Il y a un habitant, là, il m'a appelé, il m'a dit il a trouvé une boîte de munitions, de fusil à pompe. Quoi? Comment elle a trouvé ça, cet enculé? Je sais pas, là, je les ai mis sur une mission. Tu vois, hier, là, les Hector et tout nous ont dit de taxer là, l'entreprise à côté. Là, ils sont en train de taxer, là, du coup. Mais. Quelle entreprise d'à côté, hein? Tu sais, où hier on a voulu aller taper là, on a rencontré Hector. Ah, oh, j'étais pas là moi au début, c'est pour ça. Ouais, t'étais pas là. Bah bref, c'est une entreprise qui est à côté dans le Bronx là. Ok, une entreprise qui fait quoi? De quoi? Elle fait quoi l'entreprise? Je sais pas. Je sais pas du tout. She called me, yeah, baby, do it like that. I like when it's net. Eh, je vous jure, j'aime trop ce groupe, ça tue. Je sais pas les affinités qu'ils ont. Ça glisse, frère, t'as rien besoin de faire. La vie de ma mère, je fais rien depuis le début, je fais rien. Je sais pas si vous avez remarqué, je ne fais rien. Franchement, c'est rendez-vous avec les rolling. Je me connecte, je fais juste du RP vocal, je joue, mais. Je fais rien. Je m'attendais à un truc. Bon, après, moi, je fais quoi? Moi, je gère un peu la partie HRP, tu vois, j'ai créé le système de boîte aux lettres, c'est moi qui ramène toutes les idées à HRP pour faire des intrigues, pour faire des trucs.
Moi je rajoute de l'intrigue, je rajoute du truc. Tire dessus, tu me tires mais dessus. Le groupe ils gèrent trop bien, frère, ils font que vendre. 50 000 dollars, laisse-moi frère, ils ont écoulé 500 mètres en deux jours. Et soit tu me butes. En vrai, c'est pas mal. Tranquille, tu vois. Sachant qu'ils vendent que de 21h à 21h30. Je sais pas. Moi, Big Rich, ils vendent 3 000 par jour, frère. Ils ont fait partie de ça. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Quand je vois que c'est la galère à mon coup, déjà, j'arrive pas à tenir les rênes. Ça va se reconvertir dans autre chose. Mais là, dans les faits, bon, il y a eu des échanges de tirs. Ils sont venus dans le bloc. Bah. Après, comme ah, moi, dit, je jure, je me repose là. Quand je lead pas, je me repose. Je suis trop heureux. Après, là, je lead un peu malgré moi, tu vois. Genre, j'aime bien ma position. Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait vraiment une. Là, je suis en mode second, mais pas trop grand, mais pas trop petit. Fils de pute, Mitch, là. Quoi. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que je t'écoute dire pas, je m'en fous. Tout le temps, tu dis des bobards, frère. Ah ouais? Tu m'écoutes pas? Je t'écoute pas. Tu veux que je te gifle là, c'est ça? Tu vas gifler qui toi? T'es en ouf ou quoi? T'es rouflaquette là? Ferme ta bouche, je vais te baffer ici. Donne-moi mon gars, la rêve de ton caleçon là. Je veux un caleçon Burberry. La rêve de mon caleçon? Ouais. T'as pas les moyens pour te la payer, Clodo. Mais c'est un caleçon, tu crois? Tu pètes le score, fils de pute. Moi, je mets du regard ma chaîne, elle vaut tout. Tout ton chaîne. Argent. Tout mon ouais. argent, elle vaut? Ouais. C'est ça, ouais. Ta graine de café, enfin, là. Putain. T'es grave dans la jalousie, boy. T'es Air Force One blanche, là. T'es bad basique, fils de... Excuse-moi, le mec Big Drip, alors qu'il a aucune fame. Oh, non, je suis Big Drip, mais tu vas voir, t'inquiète. Tu vas avoir la fame dans la rue bientôt. Parce que regarde Rich, tu vois. Prestation, 10 sur 10. Vêtements, wish. Et pourtant, il pète. Toi, t'es là, t'as juste... Alors, t'es juste dans le bling bling. Ouais, Mitch. Ouais, dis-moi. Au quartier, dis-moi, t'as 10 de trucs à me passer ou pas? Ouais, je suis pas Mitch, moi, je vais t'enculer tout de suite. Je suis au terrain de basket. Lève-toi. Ah, je te jure, ce groupe en une semaine est meilleur que tous les groupes Flashback V2 à part Niners à la limite. Attendez, je vais visser un habitant là, je reviens. Un habitant comme Majestic. Tiens. C'est trop stylé, frère, on peut mettre les armes là-dedans et tout. Tout va bien. Non mais imaginez les flics. Non mais frère, regarde tous les détails qu'il a mis. Imaginez les flics un jour ils font une descente, ils voient ça, ils vont serrer frère comment c'est stylé. En fait je vous jure le fait qu'on a rajouté des props et tout c'est trop puissant. J'arrive, je vais visser un habitant là. Il a trouvé une boîte de munitions de pompe. Oh mais c'est pas toi, enfin un petit peu, toi t'es pas content de faire ça toi. Effectivement, attends mais je vais aller voir les types de. Y'a Stax devant, y'a Stax devant. Ouais. Yo! Ouais. J'ai besoin d'un petit peu là! Ouais, moi je suis là! Pour faire quoi? Slim Stax, terrain de basket, ouais. J'ai un habitant qui s'appelle Kayvon. Ramenez-lui 1000$ là pour lui acheter une boîte de munitions de fusil à pompe qu'il a trouvé. Et il veut 10 potions de coke. Vous lui vendez à 75. Je vais prendre les. Non, prends la coke. Je vais les gérer à tout à l'heure. Quel chien! 306, c'était pas ouf en vrai, juste l'histoire. En fait, 306, l'histoire et tout, c'était mon perso, était trop complet. Genre, le perso 7, en vrai, il était incroyable, mais groupe 306, pas ouf en vrai. Parce qu'en vrai, on avait déjà joué tous ensemble, donc on s'était pas assez manqué, tu vois. Et tout. Ouais, 1000$ pour la boîte, tu es un rat, mais bah les couilles. Et la vérité, là, ce groupe, je pense que de tous les groupes RP que j'ai fait, c'est avec les Families, lui, ça va être mon meilleur groupe, je le sens, frère. Regardez, en une semaine, regardez comment on est. Attends. Hey, après, c'est trop propre. Voilà que les types, il faut pour lui. Il veut tout faire. Je vais lui mettre un coup de pied aux fesses. Je t'entends, je sais que t'es là, tu vois. Avec tes grosses chaussures. Tu parles à moi là? Ouais, c'est à toi je parle, ouais. Tu vas faire quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que on rappelle les petits là. T'as, hop là, tu passes quand on avec la. Allez, vas-y, va. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as des chaussures zébrées comme ça? Non, je t'ai pas énervé, j'avais besoin de crier. T'as dit quoi? Pourquoi t'as des chaussures zébrées comme ça? C'est pas ma faute, c'est celle que Michi m'a donné. Lui, tu vas faire de la randonnée, frère. Oh, non, elles sont belles, mais t'es un ouf. Elles sont magnifiques. De toute façon, t'es pas t'habiller, toi. T'as des Air Force One bad basique. Oh, ton père, ok? On a le même. Ah non, on a pas le même. Oh, vas-y, non. On ferait vos bagarres. T'as votre bagarre. Ouais, pourquoi tu parlais dans mon dos là, 50? C'est quoi l'envoi? Dans ton dos, je t'ai dit, arrête d'aller pour des bottes de munitions. Dis au petit de le faire. Non, mais je suis allé voir. Quel dos tu me parles? Tu crois que j'ai pas d'autre parler en face à toi? Tu me racontes? Non, mais j'ai cru que tu te plaignais. Mais. Je me plains de rien du tout. J'ai envoyé les petits. J'ai envoyé les petits, j'avais la flemme de les appeler. Et il a une boîte de munitions de fusil à pompe là. Fallait que je lui demande où il a trouvé ça parce que tu vois. Vas-y, c'est carré, carré. Bizarre. Bref, mais par contre, commence pas à faire charge par dans ton dos, ça va te mettre des coups de machette dans ton crâne. Vas-y, ton tête, crâne. Là. Espèce de Rollins. Là. Bref. Yo. Désolé. Oh, là, tu. Mais dis-moi, fils de pute, je le prends mieux. je regrette. Fils de pute. Vas-y, dis les termes. On a la même mère, sale chien, va. Oui, t'es cool. M'en fous. Du coup, en gros.
de base, c'est sûr, de l'avoir un peu plus tard. Il est vert, mais parce que bah, on a besoin de s'équiper, machin. Corben, vraiment, là, on commence quand même à avoir des choses qui arrivent plus vite que prévu, tant mieux pour nous. Il va falloir que vous commenciez à gérer vos blocs. Donc là, ce que je veux, c'est que. Regardez comment c'est trop stylé l'endroit où on est, je vais péter mon crâne. Même pas. Deux, trois noms en tête, moi. Non, mais je les veux, c'est simple, je les veux maintenant, il n'y a pas de demain, je sais pas quoi. Je veux vous prenez vos ressources maintenant. Donc vous me donnez des blazes et c'est pas compliqué. Vas-y, hein, chacun, tu connais. Hein. Vas-y, on va faire un... vas-y, je prends un Tiroy. Vas-y. Ouais, je commence avec Rax. Ok, je prends Slim. Attends, je vais noter sur mon téléphone en même temps, parce que sinon je vais oublier. Ça fait des équipes de foot, j'adore. Ça fait des... en vrai, pour les équipes de foot, en vrai, pour les équipes de foot, on peut aller à la raquette, ils les font venir comme dans l'équipe, non? Venez, on fait ça, c'est mieux, non? C'est mieux, non? Ouais, venez, on fait ça, c'est grave drôle. Comme ça, il y en a, il va finir tout seul. S'il vous plaît, faites en sorte que c'est Curtis. Il est complexe. Attends, je les appelle. Je voulais le prendre en plus, Curtis. Non, tu peux prendre. Eh, faites vos équipes. Eh, vous avez 5 minutes pour réfléchir le temps qu'on y aille. Vas-y, go monter, les gars. Vous avez vu la cave, elle tue. Elle est cool, là. En vrai, elle est grave bien. Vous stressez les cobs là, vous stressez de faire une erreur, faire le mauvais choix. Il va vous suivre toute votre vie ce choix de merde. Putain, faut sortir, mais je suis trop bien posé. Ouais. Tout le monde dans la raquette en ligne, dépêche-toi. Fais mal le coup là, tout le monde. Ça arrive, putain. En fait, depuis qu'il est petit, son rêve c'est d'être un clochard. Ah, je jure que la cave c'est une grosse dinguerie. Hein. La cave c'est une grosse dinguerie. Hein. Dites-vous, la haine, je l'ai vu hier et avant-hier après-midi. Pendant 4 heures, il était connecté toute l'après-midi, il faisait ça. C'était incroyable. Yo, tu vas prendre quel bloc toi, Guenin? Celui à gauche là. Celui à gauche? Ouais, celui en face de moi là. Ok. Attends, arrache-toi de la chaise toi, t'as vu? Espèce de pétasse. Arrache-la. Ah, je suis mort. Non, mais ça fait rire de boycott Kadhaf, c'est le ref. Jure, même IRL, Kadhaf, c'est trop le ref. Prison flashback. Ah, mais vous parlez de prison flashback. Wouah, ça y est, vous. Y'a pas de la 8 là. Ah non, l'enculé. Je crois que vous parlez de prison IRL, parce qu'en plus, il a vraiment eu des jugements il y a pas longtemps. Business dans ça, là. Ah, pourquoi il est ban? Bah, parce qu'il s'est connecté, il a lancé des molotovs sur tout le monde, quoi. Ah, Rich, vas-y. Donc, ouais. Trop solide, il est trop solide. Non, c'est un flop. C'est un big flop. Je l'ai nerf de fou. Mettez des chaises là, que je puisse regarder ça avec plaisir. Le coin des dormeurs. Le CDD. Allez, mettez-moi des chaises au CDD là. Et laissez-les tout le temps de toute façon. Choisis ton toilette, Marlo. Ouais, choisis tes toilettes, Marlo. Choisis tes toilettes. Choisis ton toilette. Ton. Moi, j'ai choisi. Moi, c'est bon, j'ai choisi mon ciel. En fait, faut que je l'ai. Ah non, faut mettre des bails de cinéma, les gars. Ah ouais, mais tu crois que je suis producteur, moi. Vous êtes des scénaristes. C'est numéro 1, action. Je fais les claps si vous voulez. Oh, vous avez vu, je suis un vrai c'est toujours tes meilleurs pour faire des prods. C'est quoi ces chaises? Des canapés plein de trucs. Plein de trucs. Je suis là, Renoir, je suis là. Je suis là, yo. C'est quoi ces chaises? C'est quoi ces chaises de merde? Vous voulez une autre chaise? Allez, la merde, cette chaise. Attends. Oh, la chaise est schmoute. On tourne un film corno. Un film corno, c'est quoi là? Un film porno. Je te vois Y, les gars. Ouais, mettez-vous en ligne devant c'est le CDD là. C'est quoi cette chaise de bureautique aussi là? Ah ouais, non, vous abusez. Putain, mais yo, les gars, il m'a ramené une Dextra sur ce fils de pute. Faites pas d'effort, ça prend la chaise de la MGC. Eh bah, chaise de goût, ce que vous allez faire, les gars, mais tous les petits là, les dealers, mettez-vous et les disciples. Non, derrière nous. Ah ouais, derrière nous, oui, mettez-vous derrière nous en ligne. Mettez-vous dans vos toilettes là, CDD. Il manque grave du monde là, non? Guenin Marlo dans vos toilettes, ouais, il manque grave du monde. Non, en vrai, il manque Trigger et c'est tout, je crois, non? Toilet. Mais non, mais derrière nous, ils sont 5 frères. Il est où, Curtis? Il manque Curtis, il manque Tiroy. Appelle derrière, là, derrière. Appelle Curtis. Il fait le dormeur, lui, je crois. Bendo, va derrière nous. Jack Boy, il est où? Parti dormir. Ah, mais il est derrière nous, Bendo, je suis con. Tenez, les gars, tenez. Parti dormir déjà, Jack Boy? Ouais. Ah, il était fatigué, il a baisé une meuf hier soir toute la nuit. Ok. Donc, il manque Jack Boy, Trigger. Et Curtis, c'est ça? Ouais. Mais Curtis, il est en train de. Il est où Curtis, ce petit. Je sais pas, il est où depuis 20 minutes. Stax, il est là, Stax. Non? Si, si, il est là. Ah, si, je suis là. Là, il est là. Mais attends, putain. Je le vois pas, il est où? Il est sur la chaise. Il est, là, il est sur la chaise. Moi aussi, je suis là. C'est grave marrant, ça, tiens. Il est parti dormir, Curtis. C'est un canard. Ma mère, une noix. Non, mais mec, frère. T'es vraiment fou, Stax. C'est toi, Stack, le petit, hein? Mais c'est Stax, pas Stack!
Stack. Bon, du coup, on vous explique là. Eh, c'est simple. Il y a Trigger Curtis à compter aussi. Et qui d'autre? Et Jack Boy. Je tiens à dire qu'il y a des transferts qui peuvent être faits dans le mercato. Oui, vous pouvez faire des mercato. Ça veut dire que vous pouvez vous vendre des éléments. Vous pouvez vous vendre des joueurs. Donc voilà, ça se fait. Et je vous conseille Trigger. Hein, même si vous le connaissez pas, je vous le conseille fortement. Ah, on fait les équipes pour la balle aux prisonniers là? Voilà. Moi, je suis perdu de fou. Incroyable. En gros, yo, les King of Block, ils auront chacun leur bloc. Donc Gunna a le bloc de gauche et Marlo a le bloc de droite. Et non, c'est l'inverse, je sais plus, bref, niquez vos mères. C'est ça, chacun fait son équipe. Ouais, mais ça dépend d'où tu te places en fait dans le quartier, mais bref, t'as capté. Là, chacun va faire son équipe pour qui est dans quel bloc et voir un peu qui... Enfin voilà, qui appartient à quoi. Qui vous écoutez, t'as capté. Donc voilà, là, chacun va faire son équipe, ils vont vous appeler un par un et voilà. Vas-y, Tiroy. Voilà, valeur sûre. Derrière, dans le toilette. Dans le toilette. Au fond, au fond. Vas-y, viens, Rox. Voilà, bonsoir. Vas-y, viens, Stax. Oh la dinguerie. En vrai. T'es ça dommage. Que... Non, j'ai juré que Gotha et Hill a fait des bons pics. Vas-y, viens, Slim. Bah, en vrai, y'a que des bons pics en fait, ça le problème. Vas-y, je prends Jack Boy. Mais mon frère, Romendo. Ok. Je prends... Comment il s'appelle là, ton gars là Trigger. Oh les bâtards, je savais il y avait un mec qui allait rester tout seul. C'est des gars. Du coup tu prends Curtis toi? Ouais, moi je prends Curtis moi. Ok, bon, Simon. Non, il y a non, j'ai dit écoute-moi bien, il y a pas de... Nous on est dans l'équité, vous avez le même nombre. Donc Simon est officiellement le SDF de chez nous. Simon, crois-moi, c'est incroyable, tu peux aller où tu veux. C'est les deux côtés. Tu peux aller dans les blocs. Mais en vrai, c'est stylé. Chaque mec qui fait de la merde, il est SBF pendant une semaine. Ouais, écoutez-moi bien, Gunna et Marlo. C'est pas vous le mettez de côté. Lui, vous pouvez l'utiliser comme. T'as vu quand tu fais d'entraînement de foot, il y a un mec qui a un chasuble jaune, il est dans les deux équipes. Ah, c'est un plus 4 joueurs. Ouais, lui c'est un mec. Ouais, c'est ça, c'est la chasuble jaune. De toute façon, regarde, ça va être simple. Le SBF, il reste FBF jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne sa place, qui fait de la merde. Voilà, c'est ça. En gros, vous pouvez les drafter quand vous voyez, il y en a, il pue trop la merde. Genre, imaginons Stax, hein, juste au hasard, il fait de la merde. Ouais. C'est lui le SBF et ça, moi bien, jamais SBF, sache. T'as peur des baleines, ça va être la merde. Une fois les baleines, tu vois. Putain, j'avoue, les baleines, tu t'as vu, la prochaine fois, on aura la bague avec tes conneries. Après, on se le dit. Écoutez, là, vous êtes pas... écoute-moi bien, je parle, ta gueule. Écoutez, concrètement, là, on fait des équipes et tout. Ça change rien qu'on est une seule et grande équipe à la base. Donc, je veux bien que vous soyez en concurrence et tout. Il faut que ça soit Saint-Esprit de cœur. Hein. Commencez pas à faire n'importe quoi. Surtout que moi, je vous fais confiance, les deux King of Bug. Donc, foutez pas la merde. J'ai déjà trois Floyd à gérer, là, qui me cassent les couilles et qui se coûtent jamais rien. Donc c'est pas pour avoir le bis repetita. Hein. Yo, non, on écoute, hein, franchement, je sais pas de quoi tu parles. Mais bref, tout ça pour vous dire, juste centralisez vos trucs, tu vois, sur le business, sur l'argent, sur la vente et tout, centralisez vos trucs à vos blocs, ça pourquoi pas. Mais commencez pas à partir dans une concurrence, hein. Comme il a dit, on est une seule et même équipe, et quand on part en truc, on est tout le temps ensemble, tu vois. Non mais c'est juste, il a un plavon, tu vois, il prend ses gars, et si j'ai un plavon... Voilà, là, exactement, gars, vous avez votre entourage, si vous avez des plavons, vous savez qui appeler. C'est carré. Et en conséquence, vous aurez aussi des pétards et compagnie à terme si ça va arriver. Attends, vous aiderez énormément pour la gestion surtout. Ouais, de toute façon, ça change rien. Quand j'appelle tout le monde, j'appelle pas team block, team machin. Juste que si vous devez partir en rapide avec une équipe, vous savez qui vous portez. C'est tout. Et après, ceux qui sont pas là, s'il y a des absents, bah ils se complètent entre eux. Si vous avez plus chez Gunna, bah ils se complètent. S'il y a Simon, il va capter, tu vois. Merci, Ario, rester SBF à vie, moi. Non, pour le moment, t'es SBF et tu seras drafté en temps voulu. Non, mais je veux pas le rejoindre, Fifty. Moi, je reste SBF. Je suis vexé, ils m'ont vexé. Pourquoi tu me fais d'un dé là? Du coup, tu... Non, en vrai, j'ai juré que c'est dinguerie. C'est le mec qui est mauvais au foot, l'a pas été choisi. Ah, les bâtards, il est vexé. Non, écoute, moi je te dis, t'as vu? La roue tourne. Mm. Là, ils t'ont oublié, ils t'ont laissé tomber, ils ont fait genre que. Mais t'inquiète, tu leur prouveras. De toute façon, dommage, j'avais donné 20 000 au bloc là. Dans tous les cas, chaque quartier a besoin de son Skittles. Donc reste en indé, fais ton bise, ça va, t'inquiète. Non, non, mais de toute façon, ouais, clairement. Et de toute façon, comme j'ai dit, vous prenez vos trucs. Pareil, essayez de prendre vos mécanismes habituels quand vous montez dans les voitures, comme ça vous savez qui c'est qui conduit, c'est pratique. Comme ça, on peut partir plus vite. Bref, Iron Man. Tant que Trigger est pas là, je prends Simon avec moi. Ben oui.
Mais même pas, mais c'est même pas. Je suis large. SBF, les gars. Que non, il va dormir à minuit 30, je suis large. Ça commence. Ah, mais t'as vu, réveille pas le démon. Parce que quand je vais me coucher et que ta mère elle se lèvera pour aller au boulot, t'as vu, mais. Hein, oui, oui. Crois-le, quoi. Gunnar, il aura fait un boulot en plus. On la connaît la pause déj, t'inquiète pas. Ok, 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 je vois. Bref, vas-y les gars, faites votre vie, hein, je pense. C'est bon là, 50. Ouais, 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 c'était bonne nuit, c'était marrant. Allez. Faites votre vie. Ce soir, je pense qu'on va pas. Ah ouais, là, et je veux un nom par bloc aussi, qu'on sache comment vous appelez. Et ce soir, on va pas faire de soirée, les gars. Sinon, trop de soirée, tu la soirée. On en refera dans un ou deux jours. Et je veux, demain, je veux un nom de bloc pour le bloc de Gunna et un nom de bloc pour le nom de bloc de Marlon. Parce que si vous avez pas, c'est moi qui choisis. Et vous avez pas envie de choisir. Faites de l'argent là, vendez de la cam, faites des trucs. Pourquoi tu marches comme une lobsa Majestic là? 50 Gorilla. Viens Rax, on va faire les super. Putain, Guy, t'es dans ma tête toi là. Mais non, tu marches sur le Majestic. Oui. Regarde comment il marche Majestic, il t'arrive. Je connais la filiation, t'inquiète, je connais la filiation. Il a pas de cam, il est en PLS. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Putain, ils m'ont vexé. Regardez comment il marche. Vas-y, continue à Trigger. I'm a fashion baby. Majestic. Je veux que tu me parles en fax. Ta gueule là, je suis en train de défiler. T'entends mieux. Vas-y, tu veux que je te dise quoi? Vas-y. Est-ce que je suis un poids pour l'équipe? Non, oui. Ma chérie, va. Tu es un poids. Tu respectes pas Christian. C'est bien fait pour ta gueule parce que tout à l'heure, je me défoule sur lui. Oh eh, vraiment, c'est très grave. Et il se fait bolos partout. Vas-y, s'il te. Ouh, il a fui. Attends, il y a des goûts qui tombent du ciel. Oh, oh là là, il s'est fait bloquer par un pot de mayonnaise, je suis choqué sa mère. Ouais. Dijon moutarde. Il lui a mis Dijon, il a mis Nesquive, hein. Je suis choqué. Ouais, dis, je suis mort, Dijon, il blague pas. Oh la big dinguerie. Wow, c'est pas, il est pas aimé aujourd'hui, hein. Putain, le pauvre SBF. Il a alt F4. Attends, parce que, hey Rich, dans ta cave, t'as vu, je peux rien mettre, hein. Ouais. Si. Où ça? Vas-y, bah montre-moi, vas-y. Viens. T'es flou. Ah merde, la mise au point, putain, elle me casse les couilles. Oh. Attendez, c'est bon, la mise au point. Ah, il m'a enculé, frère, c'est un ouf. Vous allez nous donner les enveloppes. On est à gauche. J'ai plus la merde. Mais toi, t'as un truc à l'intérieur, sur le bâtard, déjà. Ouais, je sais. Oh, mais c'est éclaté, son truc, là. Et Patrick, ce mec, on va faire des travaux. Je vais appeler mon frère. Faux. C'est qui ça? Miguel. On arrive, t'as bougé. Allez, je reviens. Arrête de me faire l'amour, frère. Il est le roi de. Ils sont dernière. Là, Slim et tout. Oh non, ils sont pas là. On a pas rendez-vous avec les Trini là? Si, bientôt. Ah, je vais me coucher. Moi. T'es homosexuel. Je suis trop fatigué. Après, tranquille, y'a rien. T'as le droit de faire ce que tu veux, frérot. Mais. T'as vu? Oh, la même chose. Ah ouais. Yo les man, tranquille. Voilà, todos. Allez les gars, dispersez-vous là, on a pas besoin de vous là, cassez-vous. C'est une équipe de football. Dégagez. C'est un quartier quoi. Pas de vos bails un peu là. On leur vit, hein. C'est vivant, c'est bien. Ah bah ça ouais. Bon. J'ai comme prévu pour les plus démunis de ton quartier là, j'ai quelques médicaments à leur fournir. C'est bien, tiens, cool, je te passe ça ici. Tiens. Vas-y, bien vu. D'ailleurs, on a vu là pour l'entreprise, j'ai envoyé des gens pour taxer tout ça. On m'a dit que le patron c'était un certain Bellic. Oui, c'est ça. L'information a été donnée par moi-même en cas où. Ah, ok, bon, bah voilà. J'étais devant, ils m'ont clairement. Je leur ai mâché le travail, j'avais pas le temps. Ouais, bah du coup, on essaye d'avoir des news d'eux, mais bon, pour le moment, rien de concret. Ouais, ouais. J'ai entendu dire qu'ils ont eu des problèmes. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon bah écoute, on verra bien. Okay. C'est toi, tu les as Rich là, t'as pris la mallette. Ah ouais, nickel. Ok, bah écoute, dans tous les cas, nous, si t'as besoin de boulot, on est là, y'a pas de galère. C'est très bien. Tu t'hésites pas, et... dis-moi, je voulais savoir. Vraiment, quand tu vas donner ces cachets aux gens, donne-le vraiment aux gens malades, hein. Bah, tu vois. Ouais, c'est quoi exactement comme cachet? C'est une forme d'aspirine. Un peu plus puissante, c'est un nouveau sur le marché. Justement, t'as vu, nous on est en train de chercher un peu d'aspirine, tu vois, pas que pour les enfants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, on essaye de voir un peu à qui on peut en acheter là, parce que les seules personnes pour le moment. Tu cherches quoi? J'ai pas entendu. De l'aspirine.
Ouais, ben ça fera l'affaire, ça. Ça fera l'affaire, ouais, mais si par la suite c'est possible de t'en acheter ou quoi, nous. Oh, ben disons que. Ouais. Tu vois avec Bellic. Faut voir avec Bellic, oui, voir avec lui. On va voir, ouais, on va essayer de. Tu es avec les numéros que je t'ai donné, tu vois avec lui, là. Ah, tu leur as filé le numéro de Bellic? Oui, je l'ai refilé à tes hommes. Ok, bon, bah, attends, mais vas-y, on verra avec lui. Et derrière, ouais, pas de galère. Mais si t'as besoin de trucs, tu t'hésites pas et c'est carré pour nous. C'est bien, perfecto. Vas-y. Ouais, de nada, c'est normal hein, pour les plus démunis, qu'est-ce qu'on ferait pas? Toi, tu touches pas hein, tout ce qui est cam, tout ça? Non, moi, c'est pas quelque chose qui fait partie du business à l'heure actuelle que je mène. Ouais. Après, ça fait un moment que je travaille dans cette ville et oui, j'ai quelques informations qui pourraient peut-être intéresser, mais ouais. Tout dépend de ce que tu cherches et à quel prix tu cherches à l'avoir. Bah, dans tous les cas, nous, tu vois, ce qui nous intéresse actuellement, c'est le crack. On a déjà un endroit où travailler et tout. Maintenant, cet endroit-là, faut que je te paye après. Il est connu de tous, tu vois. Donc, ok, d'accord. Nous, pour bien faire, on aimerait bien limite avoir nos propres caves. Après, c'est un projet futur, mais on aimerait surtout avoir une cave qui n'est pas connue par tous les flics et tous les. Non, en vrai, notre vrai projet, on va pas se mentir, hein, même si c'est un peu premier rendez-vous. Tu me connais pas, moi, c'est 50. Ouais, c'est moi qui gère ici. Moi, je te le dis, il y a beaucoup de monde qui est venu nous voir, des mecs pas forcément très professionnels. Tu vois, des mecs un peu comme toi qu'on a alpagué dans la rue par hasard. Ouais, mais moi je suis pas un mec comme. Justement, on est d'accord sur ce point. C'est ce que m'ont dit mes gars. Ils m'ont dit, toi, t'as été entre guillemets alpagué, t'as pas fait la grosse bille, t'as pas cherché à comprendre, t'as fait écouter, soyez pas con. Bref, t'as eu une réaction que nous on considère comme intelligente. On sait que les mecs comme toi, ils peuvent nous donner quelque chose à manger qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que je te le dis, nous, notre objectif, c'est d'avoir notre propre. Mais vraiment la mettre en place de nous-mêmes, pas aller récupérer une coupe que tout le monde a déjà été travailler dessus, que le matos il pue sa mère, le matos il est défectueux, tous les flics savent où ils sont. Quand tu dis ta propre coupe, c'est que ça veut dire que toi tu cherches à avoir en fait un labo à toi. Ouais, c'est que ça. Que tu travaillerais toi-même sans c'est que. Ça. C'est okay, ça. Ah, toi, tu vois, comme t'as l'air d'avoir le bras long, visiblement, moi, tu vois, s'il faut payer ou aller te faire une mission pour être récupéré des composants, on sait un peu comment ça marche, donc il n'y a pas de problème. Bah non, même la pose en soi, c'est pas une sorte de savoir où on choisit la pose, tu vois, on s'en bat les couilles de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit fraîche, tu vois, une cuisine fraîche, pas une cuisine qui a été travaillée pendant des années Vu qu'il y a du monde qui travaille dessus, les ustensiles sont abîmés, c'est de la tombe de merde, tu vois. Vous voulez mon avis? Vous voulez que je vous donne vraiment mon avis? Ce que je pense au fond de moi, au plus profond de moi? Ouais. Cramer ce putain d'endroit. Ok, si on le crame, tu peux. Ouais, mais. Bah dans la logique, Combré, si tu le crames, eh ben forcément, un jour ou l'autre. Va falloir Mais là, nous, on n'a pas l'assurance que derrière, il y a des mecs qui fassent ça. Le boulot pour. C'est pour ça que. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est voir ce que je peux faire pour ça. Le jour où j'ai la main-d'œuvre qui peuvent déplacer tout ce qui est ustensile de coupe de cas, de crack et tout ça, toutes les étables et tous les établis et tout ça, ben, je te donne le go. Ouais. Dis-moi d'ailleurs, peut-être ce genre d'informations, tu peux les avoir. Nous, on n'entend plus trop parler de weed, là. Il y a des mecs tout à l'heure qui sont venus nous accoster en nous disant que vraiment... En vrai, ça fait au moins un mois, j'ai pas entendu, même plus, c'est un ça. Mois et demi. J'ai pas entendu une seule fois parler de weed aussi, et... Ça m'inquiète. Donc, si t'as des infos par rapport à ça... Il y avait, à une époque, il y avait les c'était un gang des Jamaïcains, les Yardies, caribéens, tout ça, là. Et... Eux, ils travaillaient beaucoup ça, ils avaient même un magasin de CBD, tu vois, pour couverture. Et depuis qu'ils sont plus là, en vrai, j'en trouve, hein, mais tu sais, elle vient du Mexique. Parlez avec l'ambiance en vitesse, là, il y a un bon bail, là. Vas-y, arrête, j'en vif. Il n'y a plus vraiment de la vraie mota, tu vois ce que je veux dire, là. Ouais, bah c'est pour ça, nous, t'as vu. L'herbe sèche, tu vois. Je vais pas te mentir, nous, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, là, qui veulent se détacher de la cam et tout. Nous, notre objectif, c'est vraiment que le Bronx soit la plaque tournante de toutes les drogues. On a envie justement qu'il y ait tout sur le marché, même parfois de faire notre propre cam, de faire notre propre truc. Donc la weed, ça pourrait nous intéresser. Donc si t'as des contacts par rapport à ça et tout, ça peut être intéressant. Je te promets rien. C'est vraiment une drogue que j'ai écartée de la main depuis un petit moment parce que j'en trouvais pas trop. Là, je la trouvais pas trop intéressante en fait à l'époque. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai qu'après, c'est pas non plus, ça va pas haut dans les tarifs, mais... Ouais, nous, on veut pas forcément la vendre dans la rue, c'est aussi, t'as vu, le quartier, il est très vivant. Oui, mais là, le fait de la consommer, voilà, je comprends, c'est quelque c'est chose... toujours cool, tu fais ça barbecue, détend. Tu fais un barbecue, c'est ça, tu veux fumer, c'est normal. Tu vois, ça fait vivre le quartier, et puis pareil, c'est bien d'avoir un peu que ça... C'est cool. Et après, nous, on a envie d'avoir la main sur le plus de choses possible, hein. Oh,
Je vais devoir avoir les dents longues, Seigneur Ressin, parce que le... pour avoir beaucoup de choses dans cette putain de ville, si vous allez dans le sens des gens... Non... Oh, Tiroy, t'es là? Ouais, je suis là. Prends 4 pétards là, 3 pour nous et 1 pour toi. Prends des balles aussi avec, et prépare-toi, on part très vite là. Comme je vous disais, voilà, le médicament que je vous ai donné, c'est... Ouais, ce serait bien qu'il y ait un autre gang dans le Bronx. J'ai vu un Rebla aller là-bas, là. Qui travaille pour une grande société pharmaceutique. J'ai vu un Rebla aller là-bas avec un sort de bus, là. C'est un produit de qualité, tranquillou, hein. Si je vous conseille, si vous avez encore un mal de tête, vous pouvez en prendre. Vas-y, ça marche. Bah, merci beaucoup, toi, Hector. Je suis en courant. Ok, hasta luego. N'hésite pas à nous appeler. À bientôt. Les gars, venez, urgent, 50 Rich. En mode quoi, juste derrière là, pendant que vous parliez, je me suis retourné une seconde, j'ai vu un Rebla et un sort de bus descendre dans le chemin juste derrière. J'ai dit à Tiroy de prendre des armes, venez on y va. On va voir là. Juste derrière là, juste derrière le rendez-vous là, derrière le quartier, j'ai vu sur un chemin. Tout le monde est pétardé là ou pas? Bah, Tiroy il a pris les armes, prenez sur lui. Je vais poser l'aspirine, j'arrive. Vas-y, donne-moi ça. Fifty, tu peux venir? Ouais, temporise, donc j'ai un truc. Juste temporise. Il me manque un pétard là. Attends. Vas-y, je prépare la voiture. Ah putain, ça fait chier qu'il n'y ait pas l'OD là. Wesh, ouvre-toi mon ref. Allez-y, montez. Il y en a 4 là, non? Attends, moi j'en ai un, normalement vous en avez tous. C'est bon alors. Tiens, moi j'en ai pas moi. Tiens, bah, vas-y, prends-le. Mais quoi, il en manque un? Oh, attends, mais il en prend 4. C'est bon, il y en a 4. Vas-y, bah go alors. C'est bon, t'es pétardé, Rich. Ouais, c'est bon. Vas-y, parfait. Attends, parce que c'est une galère à chaque fois. Oui, non, en fait, on a affaire à une vraie aise là. Je les ai vus là, juste là. Dans le chemin qui est juste en face là. Mais ils sont passés chez nous? Non, ils sont passés là, juste en bas, et c'était un Rebla et un sort de bus. Parce qu'on. On peut rentrer dans le bateau là. Je sais pas, ils sont partis où? Ah, juste en bas. C'est ça le bus là. Je pense qu'ils sont dans le bateau. Hein. Attends, mais. Vous voulez qu'on aille voir dans le bateau? Ouais, quasiment sûr. Ça trouve, c'est des civils hein? Non, je te jure, c'était un Rebla et tout. Ils ont enlevé leur. Hier, il y a des SMI, ils m'ont pété, ils m'ont mis là-dedans. Venez. Yo, descends toi d'ici là. Oh, descends. Descends de là. Yo, arme au sol, téléphone au sol, tu fais quoi ici là? Vas-y. Mes gars, ils m'ont déposé ici avec ce bus. Je devais les attendre. Pourquoi faire? Tu connais, hein? Je sais pas. Ils m'ont des cagoulés là, y'a quoi là-dedans? Je te mens pas, je sais même pas. Tu peux regarder mon gars. Tu viens d'où? J'ai une manette à mon gars. Vas-y. On fait des trucs ici, les gars, je comprends pas. Attends, y'a un véhicule qui arrive là. Tranquille, pas naïf. Garde le tir. Justement, c'est ouais, yo man. Ouais, c'est aussi. Reste derrière nous. Ouais, t'inquiète. Ouais, soir bon, vous êtes qui? Sortez de la chope. Ouais, t'inquiète. Attends, je te rappelle. Sortez de la chope, les gars. On discute. Ok, ouais. Je te rappelle. Ouais. Faites quoi là ici? Vas-y, t'inquiète. On a affaire à qui déjà pour commencer? Nous, c'est SMM. Moi, c'est SMM. Moi, tu sais pas de quoi là? SMM, c'est Big N et tout là, ça. C'est ça, tu connais. J'étais. Pourquoi vous avez déposé votre gars avec son bus là ici, vous faites quoi? Je connais, on l'a acheté. Parle-moi américain là, arrête. Non mais tu connais. Parle américain les gars, y'a rien. Bigen il vient nous voir, il fait le gérant, vous me sortez des grosses armes, parle-moi américain, t'as vu moi, tu sais très bien que je suis pas sur tes affaires pour le moment. Oh, on s'en fout, juste là en fait on sait pas qui vous êtes, vous tournez derrière, nous forcément on a l'œil partout. Donc dis-moi juste ce que tu fais, et après tu prends ton gars, tu te casses. Mais juste dis-nous clairement ce qu'il en est. Ah je connais, on est juste venu se poser ici, on allait rencontrer des gens ici, c'est tout. Rencontrer qui? On allait parler à des gens, je sais pas, on nous a dit de venir ici, de vous envoyer une pause, on est venu ici, on envoie une pause, tout. Ouais, mais j'étais là, en fait, t'as eu le bail, c'est que j'étais dans mon quartier, je vous ai vu rentrer avec le bus et le Rebla. Là, t'as allé faire un aller-retour, me prends pas pour une compte. Hein. Ouais, tu connais lui, c'est. Tu connais lui, il a eu un petit problème, Il a eu le 4 à droite, je suis parti chercher, c'est tout. On a laissé le mec ici. Vous préparez une transac, vous préparez quoi? Non, on prépare pas. Non, y'a rien du tout. Rien du tout. Bon, écoute, on va la faire plus claire, de toute façon, y'a pas d'embrouille. Écoute, et la begin ou quoi? Yo putain, on peut te parler vraiment. Non mais c'est ok, tranquille, ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est lui qui gère chez vous. À moins que j'ai un gradé, un mec qui gère ici en face de moi, c'est bon, y'a qui en face de moi qui gère là?
Mais en vrai, expliquez-moi, dans tous les cas, même si on fait des trucs ici, c'est quoi le problème? Bien sûr, c'est à 2 mètres de chez. Non, mais les gars, je vais pas vous faire un. Non, mais écoutez, les gars, si vous êtes pas cons quand même. Si vous... T'as vu? Si moi demain j'ai fait un transac à 2 mètres de chez toi. Ça veut dire quoi? Transac, toi, mais transac, les gars, les gars. Ok, 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 ok. Juste, je te dis, de base, tu m'as dit que t'étais posé ici. Quoi? Vous posez pas ici parce qu'ici, nous, ça nous ramène en merde. C'est pas compliqué. Tu vois, y'a rien de normal. On l'a laissé ici, t'as vu le frérot, il est parti pisser. T'as vu le frérot? Oh, calme, tu vas le récupérer, ton frérot. Tu vas le récupérer, ton frérot. Évite de trop traîner. Vous avez quoi? Yo, oh, c'est Vertugo ça. Ouais, 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 ouais. Tranquille ou quoi? Ça va tranquille. Vous avez quoi? Vous avez que des pétards là? Oh, ouais, bah on a un petit pétard. C'est qui se chauffe là? C'est qu'un seul pétard? C'est qui se chauffe là? Il y en a trois. Ouais, un seul pétard là, lance-pierre, pierre, feu d'artifice. Arrête, regarde même. Ouais. Attends, Miguel, attends. Qu'est-ce qu'il a lui à me coller? Pourquoi il me regarde mal? Pourquoi Vertugo? Non, mais Miguel, on a dit on venait faire connaissance. Miguel, derrière. Pourquoi il me dit c'est qui se chauffe avec un aérotin? Derrière. Ah, c'est ouais. Vrai, t'as quoi contre les chauves, Mitch? Ah ouais, pardon. C'est vrai qu'ils sont massifs en ce moment. Bref, vous m'avez dit quoi? Vous avez qu'un calibre là? Ouais. On est en galère, quoi, comme d'hab. Okay, c'est le bon que ça. Hein. Et c'est quoi? C'est la merde avec des autres personnes? Il y a des gens avec qui vous êtes en guerre, en merde, en bif, en je sais pas quoi? Ouais, du monde. Ah bah, ouais, ça va, merci. Hein. Ok, tu connais, hein, c'est le Bronx. Parce hein. Que moi, je peux t'avoir des trucs, moi. Après, si tu veux faire le mystérieux, tu peux, mais moi, je peux t'avoir des trucs. Du genre? Ah, tout ce que tu peux imaginer, je peux essayer de te le démerder. Demande et on voit. Tu me dis, moi je te dis ce que je peux t'avoir et ce que je peux pas t'avoir. Envoie ton numéro là. Ouais, ouais. Il va 559. Va... Attends, faut que je note, je suis pas très bon en calcul, moi. Donne-moi. 555-559. Attends, j'ai une question. Pourquoi quand il te demande son numéro, tu dis que t'es pas bon en calcul? C'est vrai que j'ai. Yo, ouais, c'est vrai que c'était bah, pour pas compter, pour compter. On va compter les numéros, quoi. Mais okay. Pourquoi tu veux compter des numéros? C'est pas une addition. Eh, vas-y, va, allez, toi, tu vas voir. Comme ta gueule, Stax. Ouais, sale minot de merde, va. Putain. Ok. Ok, vas-y, ben. Ouais, on reviendra peut-être vers vous, hein, si 50 il a des trucs. Ouais, oh, non, mais c'est juste que j'ai pas trop. C'était pour toi qui avait des bandages la dernière fois que t'es passé, là. Si. Ça va mieux, c'est bon. T'as l'air... Ah, bah écoute, après avoir volé la statue de la liberté, je vais beaucoup mieux. Oh, oui. Mais attends, wow. Je le reconnais, lui. C'est à cause de lui qu'il y a une descente chez les AOD, non? De quoi, moi? Ouais, que le soit, il est venu pour vous, pour toi. Ouais, t'as vu, hein. T'as eu tous les keufs qu'ils ont déplacés pour moi. Hein. C'est ce que je veux dire ou pas, garçon? Ouais, c'est vrai. Vous êtes recherché là, vous êtes dans les problèmes. Non, ça y est, ça y est. On était dans les vrais bails, mais là, ça va, on s'est calmé. Je vois, je vois. Ouais. Non, mais ça y est, là, maintenant, on reprend ce qu'on avait entrepris il y a un certain moment. Ok? Va niquer ta mère. Ferme ta gueule. Non, va sur Twitter. Ferme ta gueule. Non, va sur Twitter. Ça parle allemand. Ah ouais, il abuse de ouf le boug. Ah oui. Ah mais c'est notre influenceur du quartier. Ah, c'est notre influenceur, ça va, c'est rien les gars. C'est des codes promo et tout. C'est Miguel, et... voilà, c'est pour ça vous pouvez avoir. Un service. Vous pouvez avoir des prix à moins 50%. Le froc. Le froc. Tranquille, derrière avec le froc. Vertugo, ça va. T'arrives quoi? Oh, check Twitter, c'est bizarre. Bon, toi, y'a rien. Tu veux savoir? De toute façon, y'a rien de bizarre. Ce qui m'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive là. Je comprends, y'a rien, tranquille. Je viens de tirer avec la K47, j'ai fait la guerre. Tranquille, Vertugo, t'as pas besoin de te justifier. C'est. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Tranquille. Quartier. Bref. Bah vas-y, si t'as besoin, t'as mon numéro et tu me dis, ok? Toi, tu peux tout avoir, toi. Ça dépend quoi, c'est pour ça que si tu me demandes et moi je peux t'avoir. Voilà, mais oui, c'est possible quoi. Si moi je veux Naka, je peux avoir Naka. Je peux essayer d'en avoir une, mais c'est pas maintenant quoi. Et moi j'ai une question, c'est quoi le plus gros du plus gros du plus gros? C'est Naka. Vous avez quoi tout ça pété ces temps-ci? Rich il pète, l'autre il pète, tout pète. Qui c'est qui a pété là? J'ai mal au ventre. Ah ouais, t'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé des faritas. Ah bah ouais, bien raciste, bien, ouais. Bien latino. Ouais, bien de chez lui. Eh hey, écoute, non, ouais, bah écoute, c'est quoi ta question? T'avais une question de minot de merde là. Non, il a dit c'est quoi? C'est moi, je t'ai posé. Il y a des AK-47, mais bon, ça c'est plus tard. Pardon. Mais c'est quoi ce truc? T'as vu ce problème là, les gars? Attendez, petite fuite. On reste dans des toilettes, hein, les gars. Vas-y, on s'attrape plus tard. Ouais, vas-y, Vertugo, on t'appelle. Mais quoi là, c'est la merde avec des gens un peu? Ça va. Tu vois, moi j'étais pas là, moi ça fait une semaine. En vrai, non. Je te mens pas, regarde. C'est la rue, comme on j'ai dit. J'ai attaqué un porte-avions, j'ai récupéré du matériel, on a déplacé la statue de la liberté, on a fait péter des ponts, donc j'ai un peu perdu l'actualité. Ouais, bah l'actualité, elle est que nous, on se met en place tranquillement.
Mais vous avez quoi ce soir là, putain de merde? Ah mais j'ai mis, je mange plus là, j'ai Bah mange les barricades avec galère. Et au niveau du bise, ça en est où vous? Vous êtes sur le crack, vous restez sur le crack? On achète en revente, tu vois. Ah tu t'as toujours pas de truc pour faire toi-même le crack? On a un endroit, mais je te cache pas que... FFT il aime trop dire on a rien. Tout le monde a bossé dessus visiblement, il y a tout le monde qui est passé dessus quoi, ça casse les couilles hein. Donc on essaie de voir, on réfléchit à comment on va bosser, mais ça va arriver. Ok. Et tu passes par qui là pour tout ça, sans indiscrétion? Après je comprends que tu veux pas dire, mais... Moi je m'en bats les couilles, j'assume. On passe par la violence. On passe par la violence, on prend des gens, petit gun, le seul gun qu'on a sur la tête, donne-moi l'info ou ta mère la pute. Et après il donne l'info, voilà. Ah je croyais que tu parlais à Adou. Vertugo, non, je croyais que tu parlais à Adou. Non, non, t'as vu l'amigo, c'est des gens, ils respectent en face. Ils respectent mon cul, oui. Ça c'est mon petit chien fou. Bon vas-y, venez, on y va. Ouais, vas-y les gars, force à vous. Hein. J'ai votre numéro. Rebecca, tu veux jouer au jeu de la voiture? C'est quoi le jeu de la voiture? Faut esquiver. Oui, toi, qu'est-ce que t'as? Oh, si, vas-y. Toi, qu'est-ce que t'as, codard? Toi, qu'est-ce que t'as, ton crâne? Toi, qu'est-ce que t'as, codard? Toi, qu'est-ce que t'as, codard? On a une colline de bière. Bon, attends, il est séparé en deux, on dirait American Dad. Là, pour une fois, je peux le dire, ton gros pantalon, là, c'est quoi ça? Mais hermano, ton pantalon il est sur tes genoux, tu es sérieux? Mais tu veux te faire des baisers ou quoi? Non, je te montre mon cul pour que tu viennes dedans et que je te baisse dedans. Oh là là. Mais non, si tu veux dans ton cul, c'est moi qui vais te baiser. Vas-y, mais c'est pour savoir, il est con lui. Il est con ou quoi? Vas-y, ton tes poches là. Oui, d'accord. Putain. Trop nul. Fils de pute. Bonne soirée, au revoir. C'est Picsou, c'est Picsou. C'est Picsou. Non, c'est appelle la Picsou, appelle la Picsou. On l'a appelé, dénommé Picsou. C'est la colline du crack ou quoi ici là? Vous faites quoi? Soit Picsou, soit Zoé. Non, pas que c'est bien. Ouais, dis-moi. C'est sort de SNK. Qu'est-ce que je peux. Attends, elle a un bon plafond, tonton. Ah, pardon. Vas-y, dis Zoé. D'ailleurs, t'as pas changé de pantalon, Mitch? C'est toujours pas quoi, mais du coup, moi j'habite chez Louver et du coup, j'ai vu qu'on m'a. Quelqu'un m'a dit que je vais venir ici et tout. Non, mais pour. Parle du concret là, parle des. 17. T'es une mineure comme Mino. Ok, tu veux crécher ici, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. Ok, tu veux te prendre un appart en gros, c'est ça? Oui. Et ok, nous on a besoin de personnes qui sont dans nous, on s'en fout qui c'est qui vient tant que les mecs s'apportent un truc au quartier et que c'est pas des putains d'handicapés quoi. Donc, moi, je suis handicapé. Ok, super. Et du coup, on m'a parlé de l'histoire de ce que t'avais dans ton appartement avant, je sais pas quoi. C'est quoi cette histoire? Ouais, bah en fait, moi c'était en vacances, je reviens, il y a 160 poissons. Ah ouais. Ok, ce sont des poissons de quoi? Putain, fils. Ah, me file la syphilis, elle. C'est quoi là? C'est quoi la syphilis? Là la syphilis, ça veut dire non, dis plus jamais ce mot. Quoi? C'est quoi la syphilis? Ouais, j'en ai Il y a trop de S, non, il y a trop de S. Tranquille. Ouais, du coup, des pochons de quoi? Eh, vas-y, la syphilis. Eh, Mino, viens essuyer mon pote, viens m'essuyer là. Mais non, mais j'en ai marre. Viens m'essuyer, dépêche-toi, excuse-moi. Putain, la syphilis. Ok, écoute, on va faire un truc. T'as vu? Tu veux te cacher? Moi, je veux tes pochons. T'en as ça, ça te va ou pas comme deal? Merci Joba, merci mon gars. Ok, vas-y, ok, au moins les négociations. Ok, au moins elle est carrée, vas-y, tu veux quoi? Je peux louer. Si c'est ça le truc, je peux louer. Tu veux quoi concrètement? Sois concrète, moi j'ai bien les gens concrets. Bah habiter ici. Non mais pour tes pochons. Mais habiter tu peux, je viens de te dire, je m'en bats les couilles tant que tu m'emmènes pas les cops. Oui. Je te parle de tes pochons, tu vas en faire quoi de tes pochons? Allez, fais un effort, Tu vas en faire quoi de tes pochons? Bouge pas, hop. Oh, syphilis. Oh. Syphilis, oh non, c'est son blaze. Oh non, je vais l'appeler comme ça pendant 6 mois. Oh les bâtards, mais putain, mais ça fait syphilis ou quoi, hein. Je vais donner un peu de coque, les gars, c'était oh non, ça fait syphilis, la vie de ma mère, ça fait syphilis. Complètement réveillé. Bah ouais, bah ça se voit. Du coup, je répète ma question. Qu'est-ce que tu comptes faire de tes pochons? T'es narcoleptique ou c'est comment? Oh, tu l'as fait peur. Oh, syphilis. Et pac. Désolé. Attendez, j'ai du mal à me concentrer. Ah, ok. Oh, bah ouais, mais... En fait, vous me faites un peu rigoler. Ah, j'ai l'air de rigoler, moi. Hein. Tu me craches dessus, l'autre, il là, il me parle de... Il se fout de ta gueule avec la syphilis, c'est moi qui rigole. T'es sérieux, là? Ah ouais. Putain, j'ai une gueule de cou, c'est comment, là? Oh, j'y ai pensé. Retard, je me suis dit... Poète. Ouais. Ouais, demain, ouais, vas-y. Ouais, du coup, attends, qu'est-ce que je fais moi? Ouais, du coup, t'arrives à te concentrer là, c'est bon?
C'est des boissons de crack. Oui, ça j'avais compris ça. Et vas-y, mais la deuxième, ma soeur. Oh, c'était la conversation d'hier, ça. 30 minutes, t'as des poissons, on a compris. Putain de merde. Maintenant que tu les as, tu vas en faire quoi? Que vas-tu en faire? Mais tu vas en faire quoi? Vendez-nous, c'est un truc, un prix. Si vous voulez, si vous voulez donner. Donner. Voilà. Vas-y, voilà, c'est bah, bon. Merci. Bienvenue voilà. Au quartier, bienvenue chez les 50 Boys même. Voilà, bienvenue. Bienvenue au chercher. Donc non, maintenant, tu vas aller chercher. Écoute, par contre, moi j'ai un truc avec les petits qui nous ramènent des choses qui habitent chez nous. Je leur colle un peu comme un référent, tu vois, un mec à qui tu peux aller voir si jamais t'as des embrouilles, tu vois. Capte ou pas, oh, si. Tu vois un peu ou pas, tu visualises. Hein, Sif? En gros, c'est ton. Une sorte de tuteur, genre. Ouais, c'est un peu ton grand frère du quartier, quoi. Tu captes ou pas quand je te parle, bordel de merde? Vmage, quand il rigole, ça me fait trop rire. Voilà. Et bah, ton tuteur, c'est. Vmage, je rigole à toutes mes blagues, je suis trop chaud. Il est plus zen que moi. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète, il gère. C'est bon ou pas? Il rigole à toutes mes blagues. Voilà, donc tu prends son numéro, si t'as une embrouille, c'est avec lui que t'appelles. Y'a rien de problème. Vas-y, allez les chercher, ces trucs-là. Et par pitié, quand on se reparle une fois dans le quartier, par pitié, quand je te parle, réponds-moi dans au moins les 10 secondes. Cette meuf putain de merde. Sif. Ça va pas le pack. Est-ce qu'on va faire, t'as vu, Mitch? Ouais. T'as vu, on en a 5 des pétarons, d'accord? Ouais. Celui que j'ai là, moi je vais aller le poser avec les 12 balles dans l'autre truc. Comme ça on aura toujours un là-bas, c'est bon. Ou la cave. Bah oui. Vas-y, ça marche. Vas-y, moi je vais. Tiroy, t'as posé le tien. Comment ça on en garde, t'es? Comme ça on en garde 4 qui sont à sortir direct, t'as capté? Comme un comme d'hab. Ouais, vas-y. D'ailleurs, le Vertigo il m'envoie des messages, il me dit, ouais, si tu veux, je te file des. Il me dit quoi? Il me dit wesh. Ouais. Wesh. Attends, dinguerie, si tu veux, je te file quoi? Ouais. Il m'a dit quoi, Vertigo? Il m'a dit, ouais, si tu veux, j'ai des automatiques ou des petits pétards et tout. Mais lui, il est trop sympa pour rien. Bah, tu sais quoi, moi, ce que je propose, c'est là, on attend d'être bien, on lui achète une auto, on la vole. Bah oui. Vas-y. Mais le problème, c'est qu'on peut pas prendre la moitié de l'auto. T'as vu, donc on va devoir prendre le gun, putain, fais chier. Ouais, c'est bon, ça y est. Vas-y. Ça, c'est dommage. Putain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je mets jamais d'essence, les gars. Je suis vif. En plus, l'essence, c'est un endroit où ça lac à la mort. Ça quoi? Ça lac, ça. Tu peux te faire péter. En gros, tu peux te faire péter. Ça veut dire quand ça tu lac, craint, c'est... genre. Ouais, en gros, quand tu lac, c'est quand. Par exemple, un mec qui se fait péter. Il lac. Mon réel, arrête de nous faire ta science. Mais no lacking. arrête de nous faire la science. Les gars, oh là là, il m'a donné un rendez-vous à un endroit de 2014. Dis-moi pas, c'est à droite. Genre, non, c'est là. À gauche? Oh là là. Dans le tunnel. Oh là là, ce tunnel. Oh! Les gars, pourquoi? Putain, t'es vraiment pas vif. Mais c'est toi, t'es pas vif, regarde où tu te gardes. Bah non, mais j'ai juste vu si t'allais sortir ou pas, t'as que t'es sorti direct. Bah oui, mais garde-toi sur le trottoir, c'est hop. Trini. Je vous l'ai dit 4 fois, les gars. Bah, je sais pas, ils veulent nous parler, mais là, j'en ai gros sur la patate, les gars. Petite expression. J'en ai gros sur la patate. Petite expression du Bronx, les gars, ça vient de New York. T'as 60 piges. J'en ai gros sur la patate. Il nous donne une compensation, là. Ok. Orthophoniste pour toi. Ah, les gamins. Il nous donne une compensation, là. Pourquoi ce rendez-vous Il réessaye en chuchotant, genre. On sait jamais si ça peut passer. En vrai, Simon, on peut pas lui enlever un truc. C'est qu'il a jamais l'affaire. Ah, il force. Vraiment. Je connais quelqu'un avec une crie qui. Bon, j'ai sorti mon pétard. Tu peux rien lui enlever, il a rien, il a même pas de maison. Clochard, t'as pas de bloc. Ah bon, je veux qu'on soit comme ça. Tous les soirs à 1h, 2h, je veux qu'on soit autant. Ouais, t'as vu? T'as Crois vu, le. Là, j'aime bien. Crois-le. Toi, tu vas prendre prison à vie, toi, 25 ans. Qu'est-ce que je Elle va trop vite. Ouais, le frère, déjà, il est trop tard là. Moi, je suis vêtement demain. Il y a des mecs avec des AK là qui vont arriver derrière nous, les gars. Vas-y, reste jusqu'à 1h30. C'est bien. Ils ont ramené tout le Bronx. Vraiment. Non, il manque la moitié. Gars, la petite équipe, les gars. Bah, il y a la petite équipe, il y a la moitié. Petite équipe. On fait une équipe. Quoi? Quel ok, vous allez bien? Faites de la place pour 50. Ouais, tranquille, on est là. Ok. Yo, du coup, vous vouliez nous parler, c'est ça? On voulait prendre contact, voir un peu qui vous étiez et se présenter comme il fallait. Il est où Tickware déjà? Je suis là, je suis juste en bas à gauche. Ok. Bah, t'es sous écharpe là.
Ouais, bah écoute, nous on est les 50 Boys hein, de Bloc 50, on habite dans le Bronx, à côté du Triangle. De toute façon, c'est simple, hein, actuellement tout le Bronx, compte bien le reprendre, donc prends en compte que tout le Bronx nous appartient. Là, on est installé, tout ça, on fait notre bise de notre côté, hein. On est sur les Gueudreaux, nous, tu connais. Hein. On est sur. On est partout, crack, partout, nous. Notre but, c'est vraiment de faire tourner un max et que le Bronx soit une plaque tournante. Mais voilà, okay. Grosso modo, vous connaissez déjà quelques personnes de chez nous. Là, chemise rouge, là, c'est mon 50, c'est ce que vous appelez un chef ou un OG, là, je sais pas comment ils appellent ça. Mais voilà, c'est notre 50. Oh, nous, on n'appelle pas ça comme ça. Ah, voilà, bah, c'est je vois ça. Commun. Donc voilà, grosso modo, moi, je m'appelle Mitch. Je suis parti des seconds avec Rich, là, qui est en train de... avec son polo noir, là, qui fume sa clope. Voilà, okay, je vois. Si vous avez affaire à quelqu'un, appelez-nous. 50, Mitch, Rich, Majestic, c'est les plus grosses têtes du quartier. Ok, très bien. Ben, nous, on est les Trinitarios de Corona. Là, celui qui vous parle, c'est Pantera. Et à côté de moi, il a annoncé un vrai Pantera, c'est déjà. Stylé. Et pourquoi nous, ils ont fait des noms d'animaux comme ça ? Nous, on est les plus grands de notre quartier. J'imagine que vous appelez ça comme ça aussi. Ouais. Ok, parfait. Bon, on est venu en petite équipe parce qu'on a autre chose à faire à côté, qu'on a préparé des gars, mais on voulait un peu voir à qui on parlait et à qui on pouvait sûrement faire du business. Je vois. Bah écoute, pour le moment, ça a l'air un peu mal parti avec ce qui s'est passé là. Il y a des échos qui sont remontés à mes oreilles. On en avait parlé derrière la station essence, mais t'as vu, moi, j'avais pas trop pris la parole parce que je connaissais pas l'histoire. J'aime pas parler d'un truc que je connais pas. Et il s'avère que l'histoire, elle a été réglée en mode ouais, c'est une histoire de tipeux, y a rien, tout va bien, tout ça. Sauf que moi, j'étais pas au courant qu'en fait, cette histoire de tipeux à la base, c'était juste, tu vois, Randy, un mec de chez moi là, qui s'appelle Bando, qui se sont embrouillés. T'as vu, jusqu'à là, rien de fou. Ils se sont embrouillés, mais apparemment, quand ils ont fait leur règlement de compte, qu'ils ont voulu se régler, se battre, je sais pas quoi. Y'a des mecs qui ont débarqué avec des AK, des grosses armes en tout cas de... C'est dans le Bronx ou pas Bando d'ailleurs? Ouais, c'est dans le Bronx en plus, man. Ah, en plus station de métro dans le Bronx, yo. Ok, et ok. Deux AK et deux pompes. Ok, je vois. Deux pompes. Du coup, t'as eu, moi, la dernière fois, on en avait parlé de ce truc-là. On avait dit, ouais, histoire de petit, on s'en bat les couilles, ciao. Mais là, moi, y'a des trucs qui sont montés à mes oreilles, en fait, ça s'arrête pas là, tu vois. L'histoire, c'est que c'est plus une histoire de petit à partir du moment où y'a du matos comme ça qui est sorti. Pour des histoires à la con. Donc moi j'aimerais savoir là, ça sort d'où. Parce que apparemment c'était pas vous, ils ont dit à Bando que c'était pas des Trini. J'ai envie de savoir, tu vois. Moi maintenant je vais te dire. Tu vois, je suis pas très bien informé sur cette histoire. On m'a dit tout à l'heure que apparemment il y a eu une embrouille de petits comme tu as dit. Et ça s'est fini avec des grosses armes et j'en sais pas plus que ça. Et d'ailleurs Randy, tu veux bien nous éclairer sur ça? Ouais, j'ai déjà parlé la dernière fois par rapport à ça. Je crois qu'il y avait 50. Mitch, t'étais là en plus, je crois. Ouais, j'étais là. Non, mais t'en as parlé, t'as dit. T'as pas dit. Aussi clair. Attendez, laissez-le terminer. C'était pas aussi clair, ouais. Tu nous as pas dit pourquoi il y avait des mecs qui avaient débarqué avec des AK, on savait même pas, on l'a appris aujourd'hui. Quand vous dites clair, c'est-à-dire, sur quel pont? Ben pourquoi, là, c'est simple, pourquoi il y a des mecs qui ont débarqué avec des AK qui sont apparemment moi, des Trinitarios? Moi, je vais dire la vérité, t'as vu? C'est des gars que je connais, t'as vu, eux, s'il y a pas mes gars, eux, ils prennent ma défense quand même, t'as vu. Comment on est où là? C'est qui? Parlons américains, qui sont ces gens là, putain de merde? Les mecs qui viennent arriver à la cam, mon gars. C'est des SMM, cousin, c'est des gars des SMM. Faut pas mais t'es les gars des SMM, tu m'en plus là. Yo. Je comprends pas, t'es qui? T'es de chez eux, t'es des Trini, t'es qui? Non, mon gars, non, mais tu connais ces gars, je les connais depuis longtemps. J'ai déjà fait des trucs pour eux et s'ils doivent faire des trucs pour moi, ben ils le feront. Ouais, tu vois, le problème, c'est que nous... Attends, Rich, tu vois, on vient du Bronx. Je pense que vous connaissez un petit peu comment ça se passe là-bas. Nous, ouais, tu vois, on est tous entre nous, on serre les coudes, mais il n'y a personne d'autre avec nous. Tu vois. Et là, que vous veniez me voir en mode, ouais, on a du business, on peut faire du business, on peut voir, etc., se présenter. Déjà, c'est bien, t'as vu, puis il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais bref. Ce que j'aime pas, là, c'est de me dire que déjà, vous travaillez avec d'autres sets, tu vois. Ça c'est... Je peux comprendre. On travaille pas avec eux, cousin. Non, t'as eu, il faut pas mêler les histoires. Il peut peut-être y avoir une entente, un pacte. Moi, jamais de ma vie, je viendrai faire laver mon linge sale à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, si j'ai un truc à régler, des armes à sortir, je les sors toi-même. Pas de masque devant toi, je te dis gros, c'est quoi l'embrouille? Alors que là, ils sont venus comme des salopes sans dire qui c'était. Machin, tu vois, là, il y a un problème, Randy, tu captes bien. Non, je capte. T'as vu, mais moi, je t'ai dit, t'as vu, j'ai déjà dit ça à Bendo.
Si cette histoire, t'as vu, si entre nous, t'as vu, ça sert à rien de mêler tout le gang. Ouais, mais non, s'il y a pas, non, y a pas d'entre nous. Et en plus de ça, la dernière fois, j'ai demandé à Tiguar ce qu'il en pensait. Il m'a dit, ouais, c'est des typeux. Mais en fait, c'est pas une histoire de typeux. Si c'était une histoire de typeux, ça aurait été entre lui et entre Bendo et Randy. Oh, tu ramènes des mecs d'une clique de Manhattan qui a rien à voir avec vous, qui vient avec. En plus, qui vient, rafale des mecs de chez moi à l'automatique. Et tu me dis, c'est une histoire de typeux. Fisti, moi je t'ai dit mon gars, t'as vu là, peut-être Sigur il a rien dit de la dernière fois, mais quand je suis rentré frère, t'as vu, je peux te dire qu'il m'a niqué ma mère, t'as vu, j'ai pas de question à dire. Ouais, pour les deux têtes là, vous connaissez, faut cautionner ça ou pas du tout? Non, et comme il l'a dit, il a déjà eu un coup de savon et moi j'étais pas au courant, donc crois-moi que quand on va rentrer, ça va être bien différent encore. Je l'ai lavé une fois au barrio, je l'ai lavé une deuxième fois. Chief Gouma, fallait pas nous donner ça à nous, fallait pas nous donner ça frérot, t'es fou. Voilà. Quand vous avez des histoires avec les solos, vous les régler solo. Ouais, mais j'aurais préféré que tu voilà, mettes là, des choses directes. Hein. On aurait été au courant direct. En fait, c'est ça. Moi, si Bando, Randy... L'histoire était floue des deux côtés. Ouais, non, mais s'ils règlent leurs histoires, moi, je m'en les couilles. Hein. Tant mieux même qu'ils aient des histoires, t'as vu. C'est le but aussi hein, de s'embrouiller, de se faire son oseille comme on peut. Mais maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est que... Après, là, c'est peut-être pas votre faute, hein, les mecs qui sont à la tête. Peut-être votre gars, il a fait un truc dans votre dos, et là, du coup, ça vous fait passer pour des mecs qui sont pas sérieux. Mais moi, sachez, je ne travaillerai jamais déjà avec un 7. Il peut y avoir des ententes en mode, ouais, on vous fait pas ci parce que vous avez ça, on vous fait pas ça parce que vous avez ci. Mais la vérité, c'est que moi, des mecs qui sont capables de travailler avec d'autres 7, qui sont censés être vos ennemis, moi, ça passe pas. Ce genre de truc, ça passe pas. Et nous, dans le Bronx, on valide pas du tout ça, on cautionnera jamais ce genre de bail. Alors, j'entends, Tiguer, c'est peut-être pas ta faute. Toi, t'étais pas au courant, machin. Mais ça n'empêche que là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Moi, mes gars, il n'y en a pas un seul qui aurait pensé à faire ça, tu vois. Si, mais regarde, ouais. Ce qui est fait est fait. Moi, je te dis, si... Ouais, il m'a planté hier. Voilà, pour le bien. Bon, ouais, plus ça, ça, même ça, je n'étais pas au courant. Mais voilà. Ça, si dans le futur, il y a qu'on est à travailler ensemble, qu'il y ait une confiance qui doit remonter, de toute façon, si vous voulez voir du sérieux, ça va se voir dans la rue, de toute façon, et vous ferez votre propre avis. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort sur ça, ouais. Non, bah, on prend pas caution de ça, on va pas rester fixé sur ça. C'est juste, en fait, c'était pas clair du début à la fin. Hey, parce qu'on savait pas qui était qui. Il arrive jamais à garder un perso plus de un mois. Il est hyperactif du RPS. Non, faites ce que vous voulez, hein, on n'a pas à vous expliquer comment vous devez fonctionner dans la rue, on s'en bat les couilles. Mais vous savez comment nous on fonctionne comme ça. Vous savez pourquoi nous on a un problème avec ça, quoi. Et je pense que ça aurait été l'inverse, t'aurais eu la même réaction. Vous savez quoi, c'est pas terminé. Qui a été à l'auteur de ce qu'a fait Randy là? Qui a subi? C'est moi ici là derrière. Bando là avec le bonnet. Tu veux bien t'avancer vers moi? Ouais. Imaginez, il lui file de l'argent, Tiens. Tu vois, tu vas prendre ça. En vrai, non. Regardez, écartez-vous. Ouais, voilà, voilà. Ça vas-y. J'allais dire. Il est à toi. Ah, ok, mon gars. C'est quoi, moi je vais me défendre, cousin. T'as eu Dylan Bat. Randy, tu te défends et tu verras ce que je vais te faire. Et merci Reiba pour ton 5ème mois. Enculé. Ma bonne. Ah là, il a frappé. Attends, je mourrai là, attends, je mourrai. T'as vu? Il s'est fait tirer dessus, hein. C'est bon. KO, frère, il est. Toi, tu vas voir. T'entends derrière toi. Oh les bâtards, ils ont dit Simon d'être en place. Tranquille, Bendo, tranquille. Je sais pas pourquoi. Vas-y, Roy, je te dis. Ouais, je prends ton. Reprends ton. Tire, je te cache dehors, toi. Cache dehors, toi. J'ai mal au ventre. Une patate basse sur ce. Ah, cassez-moi pas la tête. Ouais, tranquille. Bah écoutez, on sera vous à se revoir. Hein. De toute façon, vous êtes dans le Queens, ça, c'est ça. Vous êtes à côté de là, non? Exactement. Ouais, je vois vers où vous êtes, ok. Ça marche. Bah écoutez, voilà. On sera vous à se revoir hein, prochainement. Tranquille, d'ailleurs, vous avez le numéro de Pantera ou pas? Non, vas-y, je vais noter. 91-39. Il a trop le seum. Parfait, je t'envoie un message. Nickel. Vas-y, les gars, ouais, bonne soirée à vous. Allez, force. À vous aussi. Putain. Les gars, restez ici. Eh, il a littéralement dit si tu te défends, tu vas voir, il a mis une pas deux, ça me tabasse. Putain. Là, moi, ce qui me tabasse le plus, c'est même pas qu'il soit fait coucher, hein. C'est que l'autre, il lui a dit ça et il le fait l'inverse. Ça me tue de. Non,
la tête de ma mère. Shame on you. Ouais. En vrai, ça va, ils ont une bonne réaction, je trouve. Shame on you. Une fois. Comme dans Game of Thrones, on lui jette des salades. Hey, je veux même pas vous entendre, avec ma mère. Ça va me faire du doigt. Ah, je vois comment vous êtes, les gars. Putain, c'est moi, les gars, c'est bon, garde la même énergie. Simon, tu lances sur qui, toi? Tu lances ton faux gun, encore? J'ai des pierres, là. Hop, je ramasse une pierre, t'as vu? Son réfet, je crois. Ouais. Attends, relance une balle, tu vas avoir, toi. Et son réfet, ouais, il va dire, si tu te défends... Moi, c'est Pantera. Et il s'est défendu. Ouais, non, en vrai, il a bien fait de se défendre. Elles sont où, nos voitures? Ah. Ouais, bon, on en a perdu une. Non, elle est là, oh, elle est là. Non, c'est complètement... la haine? Oh bordel! Quoi? Ouais, il manque une oracle. Ah ouais, il manque une oracle, putain. Mais non, il manque pas d'oracle, les gars. Bah si, mec, regarde, elle est calée. Non, il en manque pas, il en manque pas, les mecs. Oh, pas d'oracle! C'était pas elle, mais nique ta mère. La... Ouais, c'est une pas. Attends, c'est de la voiture. Ah! Je sais pas avoir mal comme ça. Je suis pas grave, Benoît, t'inquiète, ça arrive à tout. Ouais, Laura. Allo? Pas vif, 50, franchement pas vif. C'est Simon. Simon. Eh, viens, on se voit. T'es dispo ou pas? Et lui, il a pas un seul numéro de business. C'est que des meufs, ça y est. Il ment et baratine, tu vois pas qu'il bluffe, c'est ouais? Flic? Regarde son tel, il est en train de parler avec Tyrell. Non, c'est Popa Cusado à l'appareil, frère. Sa grosse voix, là. Hein? Quand tu me fais l'acteur. Vas-y. Ah là là. Tino au bout de la ligne là. Mais c'est même pas moi qui appelle, hein. C'est on m'appelle. Oui, oui. À d'autres. On God. Ah là là, bon, encore une soirée. Stonks. Bah là, je pense que c'est la meilleure soirée hein, en termes d'armes. Argent, on s'est mis bien. Mm. Bah, clairement.